Bien, chers amis, donc notre soirée va commencer dans quelques minutes. Je crois qu'il y a encore du monde qui attend à l'entrée du Théâtre Antoine, que je tiens à remercier. Je crois que nous pouvons peut-être s'asseoir maintenant. Beaucoup d'amis vont arriver tout au fil de la soirée. Nous sommes rassemblés donc entre maintenant, 17h, et très exactement 20h, vont se succéder sur cette scène des amis de l'Ukraine, des candidats à la présidentielle française, des candidats et des candidates, deux grandes dames en particulier de la politique française, Madame Pécresse et Madame Hidalgo, qui viendront exprimer leur solidarité avec l'Ukraine et avec son peuple. Se joindra à nous un ancien président de la République, François Hollande, qui arrivera vers 18h30. Une jeune femme merveilleuse, Ina Shevchenko, intellectuelle, femme d'audace, de courage, de grand sang-froid, icône du mouvement des Femmes, et qui sera là à nos côtés tout à l'heure. Des intellectuels, Caroline Fourest, un ancien ministre, Bernard Kouchner, Pascal Bruckner, des écrivains qui n'ont pas l'habitude de se manifester, qui n'ont pas l'habitude de prendre aussi publiquement et aussi clairement la parole, ni aussi souvent. Je pense à Frédéric Becbédé, à Denis Oliven, à Simon Liberati, à Marc Lambron de l'Académie française qui sera là, au grand philosophe catholique Jean-Luc Marion qui va nous rejoindre à un moment donné de la soirée. J'en oublie sûrement. Mais enfin, ce sera des voix extrêmement diverses qui vont se faire entendre ici, sans oublier naturellement le porte-parole du président de la République qui viendra s'exprimer en son nom, Christophe Castaner, qui arrivera au milieu de la soirée. Des responsables associatifs qui nous ont aidés à la règle du jeu à organiser cet événement, mes camarades des SOS Racisme, Dominique Sopo, mes camarades, mes vieux amis de l'Union des étudiants juifs de France, mais qui sont des vieux amis, représentés par leur nouveau président qui arrivera tout à l'heure, Samuel Lejoyeux, les gens de Desk Russie avec Galia Ackermann et peut-être François Stomme. Tous ces amis vont se succéder au fil de la soirée. Nous aurons aussi des témoignages de celles et ceux qui ne peuvent pas être physiquement parmi nous et pour cause, mais qui nous ont adressé des messages de solidarité dont certains, vous verrez, sont très émouvants, et c'est la raison pour laquelle nous avons cet écran ici. Vous allez voir en ouverture de la soirée un magnifique cadeau que j'ai reçu hier soir, que nous avons tous reçu, qu'a reçu à travers nous le peuple de Kiev, de Kharkov, de Mariupol. C'est une interprétation de l'hymne que vous venez d'entendre, un réarrangement de l'hymne ukrainien par la très grande artiste, la très grande chanteuse, depuis son appartement de New York, Patti Smith. Elle sera là dans quelques minutes avec nous. Alors, c'est pas prêt à graver, hein. C'est quelque chose qu'elle a improvisé dans un mouvement de générosité et de trouble semblable à celui que je crois nous éprouvons tous ici. Donc vous entendrez, vous verrez ce message de Patti Smith. Vous entendrez un très beau message, je crois, et qui est également un cadeau qu'il nous a fait et un mouvement d'indignation dont vous allez mesurer l'intensité. Un message de David Lynch, qui voulait être là, mais qui n'a pas pu être là physiquement, mais je crois que ça... Le jeu en valait la chandelle et nous ne perdrons pas
au change. Le message de David Lynch est magnifique. Nous aurons au cours de la soirée un message de quelqu'un que j'admire infiniment, que j'ai connu, que j'ai rencontré, que j'ai eu l'honneur de rencontrer quelques heures après son départ de Biélorussie, après qu'elle ait fui la Biélorussie, l'incarnation de l'opposition à Loukachenko, l'icône de la démocratie biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya. Elle aussi voulait être ici, comme Ina Shevchenko, qui, elle, est ici. Elle n'a pas pu, mais elle nous a envoyé également un message très, très beau. Donc, tous ces messages se succéderont. Nous aurons, à la fin de la soirée, un message de Sean Penn. Nous aurons un message de l'ancien président Petro Poroshenko, que j'ai reçu hier soir, dans ce climat terrible, glaçant qu'affronte l'Ukraine, où les conflits politiques, les querelles politiques se taisent, où les clivages politiques s'estompent et où c'est une nation tout entière qui se soulève et qui se trouve en armes face à l'envahisseur. Donc il y aura d'une manière ou d'une autre rassemblé ici sur cette scène à travers leur message le président Poroshenko, l'ancien président, qui est mon ami, que j'avais amené à François Hollande, il s'en souvient, et nous en parlerons peut-être tout à l'heure à l'Élysée en 2014, et le président d'aujourd'hui, Volodymyr Zelensky. Nous aurons également des noms que je vous... Oui, je crois, mais nous aurons d'autres occasions ce soir de l'applaudir, me semble-t-il. Nous aurons également d'autres témoignages, et je ne parle pas des présents, bien sûr, hein, dont je vous ai parlé d'entrée de jeu, ceux qui sont arrivés, qui sont déjà là et dont j'ai salué la présence. Nous aurons des témoignages de gens moins connus, en tout cas à Paris, mais enfin moins connus par les Français de Paris, mais qui, je crois, dont la présence fera chaud au cœur aux Russes et aux Ukrainiens de Paris. Et je pense à des actrices magnifiques. Je pense à une réalisatrice superbe, intellectuellement superbe, la superbe stendhalienne des grandes héroïnes de la résistance et de la liberté. Je pense à mon jeune camarade, Vlad Davidson, collaborateur de La Règle du Jeu, collaborateur de Tablette, qui est aujourd'hui en Ukraine, sous les bombes, et que j'ai à peu près toutes les 2 heures au téléphone. Sa femme est ici, Regina. Elle tremble pour lui, comme tous ses amis. Donc voilà, des écrivains, des intellectuels, un ancien président de la République, des candidats à la magistrature suprême, des invités de toutes sortes, et puis ces messages qui se succéderont. Je leur donnerai la parole au fur et à mesure de leur arrivée. Nous avons prévu une sorte d'ordre des choses. J'y connais pas grand-chose, je compte sur eux. Les organisatrices de cet événement, notre minuscule règle du jeu, pour venir m'alerter si tel ou tel devant partir. Voilà, on adaptera évidemment cet ordre du jour. Un mot simplement, et puis je donnerai la parole ensuite à, je crois, Valérie Pécresse, si elle est arrivée, ou il faut qu'on me dise ça d'ailleurs. Mais quelques mots d'abord pour dire qu'au fond, il me semble me faire l'interprète de tous si je dis que nous sommes que ceux qui nous rassemblent ici ce soir. C'est d'abord une immense anxiété. Nous en parlions avec ceux qui étaient là un peu tôt. Je crois qu'on s'est tous un peu dit la même chose depuis 5 jours, 6 jours. La première chose que nous faisons chaque matin en nous réveillant, c'est d'ouvrir nos téléphones portables pour voir si Kiev est tombé, si Kharkov est détruit, si Marioupol est vitrifié, puisqu'il en est question depuis quelques jours, et qu'un docteur Folamour a décidé de dire l'indicible, de prononcer l'imprononçable, et de tenir son doigt raide, osseux et criminel au-dessus du bouton nucléaire. Donc ce qui nous rassemble, ce qui nous rassemble toutes et tous ici, je crois que c'est cela, cette anxiété
qui ne nous quitte pas quant au sort de nos amis, de nos camarades, de nos maris, je pense à Regina, de nos copains qui vivent en Ukraine sous les bombes. Il y a 3 jours encore, et les choses vont si vite, peut-être 4, je me souviens, là, et je crois que vous êtes nombreux à partager ce sentiment, l'horreur qui m'a saisi lorsque j'ai vu cette image du président Zelensky s'adressant à ses homologues du Conseil européen auquel il venait de s'adresser, avec laquelle il venait de mener une réunion de travail, et qui leur fait ses adieux en leur disant que c'était peut-être la dernière fois qu'il le voyait vivant. Le président Zelensky a dit à son homologue Macron, à son homologue Olaf Scholz, c'est peut-être la dernière fois que vous nous voyez vivants. Depuis ce jour-là, nous tremblons tous pour le président Zelensky, ce petit gars de Kiev, ce petit juif de Dnipropetrovsk, cet acteur comique qui n'était pas, probablement pas taillé pour le rôle, qui n'était sans doute pas fait pour le destin qui lui incombe et qui se conduit comme un grand homme, avec un courage inouï, un courage digne des plus grands. Vladimir Zelensky, dont nous savons qu'il est en tête de la kill list établie avec un cynisme absolu par l'assassin galonné du Kremlin, par le mauvais joueur d'échecs de Moscou. Une kill list qui, d'après les journaux britanniques les plus sérieux, comprend 20, peut-être 30 000 personnes et dont le président Zelensky a l'honneur redoutable d'être le premier, la figure de tête. Donc ce qui nous rassemble, je crois, c'est ça. C'est cette crainte et ce tremblement pour lui, ce jeune président Zelensky, pour ses camarades, pour ses conseillers que nous voyons sur les vidéos qu'il poste au fil des heures, tête nue, tous, dans ces rues de Kiev bombardées, et évidemment l'angoisse pour ces villes que nous sommes un certain nombre à bien connaître. Nous étions avec Marc Roussel, avec Gilles Herzog, avec Olivier Jacquin, il y a quelques mois, à Marioupol, cette belle ville européenne qui est aujourd'hui privée d'électricité, privée de ravitaillement, assiégée, pas très loin de ce qu'était la ville de Sarajevo, aux pires heures de son siège. Donc ce qui nous rassemble, c'est, je crois, cette crainte et cette espèce de suspens terrifiant. Ce qui nous rassemble aussi, me semble-t-il, et je voudrais le dire en ouverture de cette série de prises de parole et de nos débats, c'est malgré la crainte, l'espoir. Parce qu'il s'est passé aussi quelque chose d'extraordinaire et qui n'est pas si fréquent dans l'histoire de l'humanité contemporaine. Le peuple de Kiev, le peuple de Kharkov, qui au fond n'avait pas plus que nous l'idée de la guerre, qui comme nous s'était installé dans l'idée d'une histoire en train de se terminer dans le confort et la prospérité. Ce peuple que l'on disait installé dans une sorte de confort matérialiste, eh bien, face aux escadrons de la mort de Poutine, alors que Poutine pensait qu'il allait se soumettre, alors que Poutine tenait ses femmes et ses hommes pour des sous-femmes et des sous-hommes, ce peuple de Kiev s'est dressé, s'est révolté comme une seule femme et comme un seul homme. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'un mouvement patriotique, d'insurrection nationale, de cette ampleur, de cette vigueur, de cette intensité et avec une telle unanimité. Et cela, c'est vrai, donne espoir. Donne espoir aussi, je parlais du président Zelensky. Il y a un moment dans ce temps si court
et qui semble si long, où nous avons pensé qu'il pouvait finir. Et d'ailleurs, c'est toujours une hypothèse. Je le pense toujours comme un possible monstrueux. Nous avons pensé qu'il pouvait finir comme Salvador Allende dans sa Moneda qui est Vienne, assailli par un escadron de la mort et faisant face avec dignité, préférant mourir debout à une reddition sans gloire. Je crois qu'il, comme il l'a dit à ses homologues européens, lui-même avait intégré cette hypothèse. Et puis, nous l'avons vu surgir quelques jours plus tard, comme je le disais, dans les rues de Kiev, tête nue, élégant, magnifique, drôle, comme il l'a toujours été. Et là, il ne ressemblait pas à Salvador Allende à la veille de l'assaut de la Moneda, il ressemblait à un très jeune Winston Churchill, arpentant les rues de Londres en septembre 1940, aux jours les plus noirs du Blitz, lorsque les quartiers pauvres de Londres étaient bombardés par l'aviation allemande. Et la métamorphose de ce jeune homme, la métamorphose de ce jeune acteur que j'ai rencontré à la veille de son élection et qui était vraiment ce petit gars de Kiev dont je vous parlais tout à l'heure, cette métamorphose en ce personnage de grand panache, ce personnage magnifique, bravant les stars de Poutine, c'est terrible. Et en même temps, c'est vrai que cela est une source d'espoir et en tout cas d'inspiration pour bien des Européens. Donc ce qui nous rassemble aussi ce soir, me semble-t-il, c'est ça. C'est le fait que, contrairement à ce qu'escomptaient les mauvais stratèges du Kremlin, contrairement à ceux qui pensaient que ce peuple et son président se soumettraient dans l'heure, eh bien, les insurgés de Kiev sont debout et la bataille de Kharkov dure toujours avec, bien sûr, hélas, son cortège de désolation et d'abomination. Et puis enfin, ce qui fait qu'en tout cas, pour notre part, à la règle du jeu, nous avons pris cette initiative qui était compliquée de vous alerter, de vous rassembler. Ce qui n'a pas été compliqué, c'est l'accord de Jean-Marc Dumonté et de Stéphanie Bataille qui nous ont si adorablement prêté leur théâtre. Mais l'autre chose que je voudrais dire, avant de passer la parole à qui est arrivé, mais il faudrait qu'on me dise, que quelqu'un vienne sur scène me dire qui est là et qui attend. Mais la dernière chose, mais c'est important, parce que c'est la... En tout cas, c'est ce qui, chez nous, à la règle du jeu, a été notre moteur. Vous savez, les crétins, les imbéciles, les va-t-en-guerre parlent souvent de guerre des civilisations, depuis un essai tristement fameux de Samuel Huntington qui portait ce titre. Eh bien, bizarrement, pour la première fois de ma vie, lorsque je vois s'affronter ces deux hommes, Poutine et Zelensky, j'ai le sentiment que ce sont deux civilisations qui s'affrontent. D'un côté, du côté de Poutine, l'hubris, le culte de la force nue, la nostalgie d'une grandeur impériale, zombiesque et absurde. Le pire héritage de la Russie stalinienne et de la Russie tsariste, ce visage de carton où ne passent plus que des éclairs étranges qui rappellent le Ivan terrible d'Eisenstein. Ce personnage-là, cette civilisation-là, cette insulte à la Russie que représente Vladimir Poutine, cette mauvaise mythologie. Et puis de l'autre côté, face à ce personnage qui s'enivre de sa puissance prétendument implacable,
qui s'enivre des roulements de mécanique et des roulements d'essieux de ses chars, face à ce personnage qui s'enivre de ses missiles hypersoniques. N'oubliez pas, par parenthèse, qu'il y a déjà plusieurs semaines, dès le 17 décembre dernier, des ultimatums étaient adressés non seulement à l'Ukraine, mais à ses possibles alliés, qui déjà agitaient la menace du pire, qui déjà parlaient d'attaques nucléaires, qui déjà parlaient, le président de la commission de défense de la Douma, d'une frappe stupéfiante qui vitrifierait l'ensemble de l'Europe et le tiers des États-Unis. Face à cette ivresse-là, cette ivresse de la force brute, face à cette ivresse fasciste, face à cette ivresse qui a trouvé l'une de ses formes dans les gesticulations monstrueuses de l'hitlérisme et qui a trouvé une autre de ses formes dans la démence meurtrière de Staline et qui est en train de se réincarner en Vladimir Poutine, face à ça, il y a un homme qui porte presque le même nom, à une lettre près, ou deux. Un nom, un prénom presque russe, Volodymyr Zelensky, et qui incarne vraiment l'inverse. Qui incarne, je le disais, l'élégance, qui incarne l'humour, qui incarne le courage, qui incarne la sagesse, qui fait penser, là, depuis quelques jours, dans ses messages qu'il poste, comme des bouteilles à la mer ou au tsunami de cette guerre qui lui est tombée dessus, qui fait penser aux plus belles figures de la culture, de la légende, de la grandeur et peut-être de la pensée européenne. Vladimir Zelensky, aujourd'hui, face à la brutalité fascisante de Poutine, il incarne la grandeur de l'Europe. Les valeurs qui ont formé l'Europe, les valeurs de chevalerie, les valeurs, le goût de l'esprit et de la raison, tout cela, à son corps défendant peut-être, mais avec quelle allure Vladimir Zelensky l'incarne. Donc il y a vraiment, je trouve, entre ces deux hommes, cela qui est en train de se jouer, dans ce corps à corps atroce dont l'issue peut être horrible. Il y a ces deux images de l'Europe, ces deux images de la civilisation, ces deux images du monde, un amour du monde et une haine nihiliste du monde qui s'opposent et qui s'affrontent. Et il n'est pas donné à tant d'événements que cela d'être le théâtre d'une opposition de cette nature-là. C'est la raison pour laquelle, je crois, elle nous engage tous. Pas seulement parce que l'Ukraine est la dernière ligne ou la première ligne de défense de l'Europe contre la folie poutinienne. Pas seulement parce que si l'Ukraine tombe, d'autres tomberont après elle ou en tout cas seront menacés, les Pays-Baltes ou la Pologne. Mais parce que vraiment, c'est le meilleur de l'Europe, le meilleur de ses valeurs qui s'incarne dans l'Ukraine d'aujourd'hui, dans son président. Je disais dans un texte, dans un article donné il y a quelques jours au Journal du Dimanche, je disais qu'au fond, l'un des paradoxes grinçants et beaux de cette situation, c'est que l'Europe s'est dotée aujourd'hui d'un paradoxal et très jeune nouveau père fondateur qui s'appelle Volodymyr Zelensky. Quel que soit son destin, qu'il survive ou pas, évidemment nos prières vont vers lui, il sera cette grande figure qui sera inscrite dans l'histoire de l'Europe comme une figure fondatrice ou refondatrice. Voilà l'esprit qui a présidé à cette réunion d'aujourd'hui. Je suis tellement heureux que vous soyez si nombreux. Je vois d'ailleurs que le théâtre est plein jusqu'au comble. Je vois que des amis
continuent d'arriver. Et je voudrais passer la parole. Est-ce que Caroline Fourest est arrivée, par exemple? Pardon? Caroline. Merci. Merci d'être venus aussi nombreux pour les Ukrainiens. Merci à Bernard et merci à la règle du jeu de toujours savoir nous réunir quand nos cœurs et quand nos consciences saignent, comme elles saignent en ce moment, au sixième jour d'une guerre, dont tant de consciences éteintes nous avaient annoncé qu'elles n'arriveraient jamais. Des consciences éteintes qui d'ailleurs se moqueront toujours du fait que nous ayons besoin, nous, de communier dans ces moments-là, que nous ayons besoin de nous donner de la force et de l'énergie pour tenir et pour faire bouclier avec ceux qui, en ce moment, essuient des bombes, font face à des tanks, avec leurs mains et le peu d'armes qu'ils ont et qu'ils ont. Car il y a aujourd'hui, en Ukraine, des hommes qui se battent, il y a aussi des femmes qui se battent, avec uniquement le goût de la liberté avait à leur côté, avec le goût de la démocratie à leur côté. Alors si nous, les démocrates, nous ne sommes pas capables de faire au moins ça, de nous réunir pour dire à quel point nous sommes à leur côté, à quel point nous allons tout faire pour pousser nos responsables, et ils en ont conscience, et ils le font, pour pousser l'Europe à être à la hauteur de cette tragédie historique qui s'écrit sous nos yeux et qui est en train d'écrire l'histoire de ce continent. Si nous ne faisons même pas ça, nous ne serions pas à la hauteur de cette ambition qu'est la démocratie. La démocratie, c'est un idéal dont tout le monde a oublié qu'il pouvait mourir à force de ne pas être défendu. Eh bien, les Ukrainiens nous rappellent aujourd'hui que la démocratie peut être écrasée, peut tenter d'être assassinée en quelques heures par la force brute dont parlait Bernard, par la folie d'un homme qu'on nous a présenté comme extrêmement stratège, comme extrêmement lucide, comme un modèle pour... On en a même rêvé pour la France, vous imaginez bien. On nous a expliqué que... On a entendu ces derniers temps, et c'est pour ça qu'on se réunit ici aussi. On nous a expliqué, des souverainistes nous ont expliqué, que la Russie était un modèle. Eh bien, la Russie de Vladimir Poutine vient de commettre le plus grand viol de souveraineté depuis la prise des Sudètes par Hitler. Nous n'avons jamais vu ça depuis des décennies. Nous avons entendu ces jours derniers, ces mois derniers, ces années dernières, car Vladimir Poutine n'a jamais fait mystère de sa volonté d'annexer l'Ukraine, de l'humilier et de la briser, car Vladimir Poutine considère l'Ukraine comme sa colonie, comme sa prostituée, en réalité. Nous avons entendu des ultranationalistes, d'extrême droite, antisémites, violents, nous expliquer qu'il fallait dénazifier l'Ukraine, dénazifier le président ukrainien Zelensky, fils, petit-fils de survivants aux nazis. Nous avons entendu des décolonialistes, depuis l'Afrique, lancer des vidéos encore ces jours derniers pour appeler à la solidarité avec Vladimir Poutine, le plus grand impérialiste, le plus grand colonialiste, le plus grand prédateur de voisins du moment. Et nous sommes à une époque où, nous le savons, ces propagandes tuent. Ces propagandes sont en train de tuer, ces propagandes plus sûrement encore que les bombes tactiques nucléaires qu'emportent avec eux les soldats russes sur le sol ukrainien peuvent ravager un territoire du continent européen qui est à 3 heures d'avion, qui est notre voisin aussi et qui est notre ami parce qu'il regarde, oui, et c'est ça son grand péché, parce que ce voisin européen regarde vers la démocratie et vers la liberté depuis déjà des années. Et quand j'entends la petite musique qui commence, alors pas au jour 1 de la guerre, c'est comme après les attentats, vous savez, le jour 1 des attentats, tout le monde se tait, est un peu décent. Il faut attendre quelques jours pour entendre les propagandistes commencer leur petite musique et commencer à inverser les responsabilités et à faire passer les tyrans pour des victimes et à effacer leurs crimes. Au jour 6 de cette guerre, nous commençons déjà à entendre des gens nous expliquer que c'est l'Occident qui aurait provoqué M. Poutine, que c'est l'Occident, l'OTAN ou l'Union européenne qui aurait humilié M. Poutine. Mais la réalité que savent parfaitement les Ukrainiens, et ils l'ont payé cher pour le savoir, c'est que tout le monde s'est couché devant M. Poutine. C'est que tout le monde a eu peur de M. Poutine.
et que quand l'Ukraine demandait depuis des années la protection de l'OTAN ou d'intégrer l'Union européenne, nous ne leur avons pas accordé parce que nous avions peur de M. Poutine. C'est ça la réalité historique. Je ne sais pas s'il faut que l'Ukraine intègre l'OTAN, je n'en sais rien. Je sais juste qu'un pays ami est en train de payer, est en train de prendre des bombes sur le visage et de voir des enfants déchiquetés, et de voir des immeubles éventrés, et de voir des rues occupées, simplement pour avoir manifesté contre des élections truquées, contre la corruption, contre les marionnettes de Moscou. Et j'ai en tête, pour m'être rendue en Ukraine à plusieurs reprises, avant et après Maïdan, je me souviens de l'Ukraine d'avant Maïdan. Je me souviens du temps où Viktor Yanukovych, marionnette déjà de M. Poutine, une marionnette comme celle qu'il veut mettre maintenant à la place de M. Zelensky, du président Zelensky. Je me souviens du climat qu'il régnait alors, des démocrates, des féministes que je rencontrais et qui subissaient les coups tordus du SBU, ces renseignements ukrainiens formés par le FSB, aux ordres du FSB, aux ordres de Moscou. Ils avaient en tête la colère déjà de leurs aînés, celle qui avait valu la révolution orange, la victoire de Viktor Yushchenko. Souvenez-vous du visage grêlé de Viktor Yushchenko. Le visage grêlé de Viktor Yushchenko annonçait le visage défiguré de l'Ukraine d'aujourd'hui. Simplement parce qu'il voulait des élections libres pour son pays, il avait été empoisonné à la dioxine. La dioxine ou le polonium, les armes du tueur, les armes d'un tyran, que nous avons laissé tuer, assassiner toute personne osant incarner la démocratie. Et l'on s'étonne maintenant que l'appétit de cet ogre ait grandi et qu'il en soit venu à vouloir avaler un pays tout entier. Mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc ceux qui ont fait la révolution orange n'étaient pas manipulés par des pays étrangers. Ils étaient accompagnés au nom de la solidarité par des pays démocratiques. En face, ça n'est pas de l'impérialisme d'accompagner la volonté des peuples de vivre en démocratie. En revanche, quand des peuples veulent vivre libres, décider souverainement de leur choix, et qu'on leur envoie des tanks et qu'on leur envoie des avions pour les bombarder, ça s'appelle de l'impérialisme. Et l'impérialisme, aujourd'hui, il est russe. Il n'est pas occidental. Il est russe, il est poutinien. Et tous ceux qui viendront devant vous dire le contraire devront en rendre des comptes devant l'histoire. Ils devront nous dire combien ils ont été payés pour inverser ces mots, parce que la force corruptrice de Moscou, nous la connaissons, sa force corruptrice sur la classe politique, sur la classe intellectuelle. Et maintenant, il est de notre devoir et de notre honneur à tous ici d'être des agents de contre-propagande, des agents de vérité, d'aller nous battre sur les réseaux sociaux contre ces médias de mensonges, ces médias de mort que sont devenus Russia Today et Sputnik, d'exiger de notre classe politique qu'elle condamne les poutinolâtres, qu'elle condamne les alliés de l'impérialisme et de soutenir de toute notre force, et c'est en train d'arriver, et c'est ce qui est beau, la résistance, la vaillance des Ukrainiens. C'est comme ça qu'est en train de s'écrire l'Europe. C'est comme ça que nous allons garder notre honneur. Slava Ukraini! Longue vie à l'Ukraine. Merci, merci, merci. Je précise d'ailleurs, avant d'appeler la prochaine intervenante, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que l'ensemble de notre soirée est diffusé. Alors, je n'ai aucune idée de la manière dont ça fonctionne, mais je sais qu'on y travaille depuis des,
des jours et des jours en Ukraine. Et je sais qu'ils sont nombreux à Kharkov, à Lviv, à Odessa, à Mariupol et à Kiev à être branchés sur notre soirée depuis la première diffusion de l'hymne national ukrainien à 17 heures précises. Donc sachez que nous parlons aussi devant nos amis, et nos camarades et nos compagnons de pensée et de combat d'Ukraine. Je voudrais appeler maintenant à la tribune, je crois qu'elle est dans la salle, une grande dame française, une amie, et une amie, ce qui est beaucoup plus important, de la liberté des peuples, et souvent des peuples oubliés, et une amie de l'Ukraine qui, dès le premier jour, a pris position sans la moindre ambiguïté, en faisant fi de toutes les langues de bois, en ne pensant pas à l'alliance truc ou au compromis machin, qui a dit ce qu'elle pensait sans langue de bois de cette guerre monstrueuse qui a éclaté en Ukraine, je veux parler de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate à la présidence de la République française. Je l'attends à la tribune. Voilà, ma chère Anne. Et je voudrais, avant de vous donner la parole, saluer également la présence, car je n'ai pas encore fait, il est arrivé entre-temps, d'un autre grand ami, personnalité si éminente de la culture, de la pensée française d'aujourd'hui, qui est le grand rabbin Haïm Korsia, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre et qui prendra la parole tout à l'heure. Mais je passe la parole à Madame Hidalgo. Merci beaucoup. Merci Bernard, merci à vous toutes et vous tous d'être là. Je voudrais partager un moment que j'ai vécu aujourd'hui. En fin de matinée, j'ai pu échanger avec Vitali Klitschko, mon collègue maire de Kiev. Nous avons pu échanger par vidéo et je l'ai vu, je l'ai entendu. J'ai entendu à la fois la force, le courage qui est le sien, aux côtés, comme cela a été dit tout à l'heure, aussi du président Zelensky. Ce courage, cette force d'un maire qui est un combattant, qui est engagé dans le combat d'une résistance dans sa ville. Et lorsque je lui ai parlé tout à l'heure, il m'a dit « Surtout, surtout, Anne, dis à tous les Français, dis à toutes celles et ceux à qui tu peux parler qu'on ne nous laisse pas tomber. » Il faut vraiment que les sanctions contre Vladimir Poutine, contre Moscou, que l'action de l'Union européenne, que l'unité de l'Union européenne, que toute cette aide qui est nécessaire, à la fois ces armes qui sont nécessaires pour que cette résistance puisse aussi s'organiser, cette défense du peuple ukrainien puisse s'organiser, que tout cela vienne, que tout cela nous parvienne. Et il m'a dit... Peut-être que demain, il sera trop tard. Et je vous le dis ce soir avec beaucoup d'émotion. Je pense à lui. Je pense à lui parce qu'en ce moment même, Kiev fait l'objet de cette offensive, cette bataille. Cette bataille qui est la nôtre. Je lui ai dit ce qui arrive au peuple ukrainien, cette bataille dans laquelle vous êtes engagé contre ce dictateur russe, contre cet homme qui veut mettre un terme à l'Europe, à la démocratie, dont on ne sait pas jusqu'où il va aller, mais on voit qu'il n'a plus aucune limite. Je lui ai dit, nous sommes non seulement à tes côtés et aux côtés du peuple ukrainien, et pour moi aussi, maire de Paris, aux côtés de cette ville de Kiev, cette capitale de l'Ukraine, nous sommes à tes côtés et en nous résonne ce combat, parce que ce combat est le nôtre. C'est le combat pour la démocratie. C'est le combat pour l'Europe. Je suis une femme de gauche, républicaine, universaliste, européenne, humaniste. Ce combat est le mien, il est le nôtre, mes amis, nous le savons. Parce que ce qui se joue en ce moment même, en Ukraine et à Kiev, c'est bien sûr aussi notre liberté. C'est cette liberté parce que Poutine, ce dictateur, a décidé d'en finir avec la liberté des autres. Cela fait des mois, des années qu'il provoque, qu'il va aux limites du droit international. Et là, il les a franchies. Il a franchi les limites du droit international. Il a franchi
cette limite que nous posons comme un absolu, le droit à l'autodétermination des peuples, le droit à chaque peuple de pouvoir décider de son avenir. Et il se trouve que ce peuple ukrainien décide que son avenir est en Europe. Il le dit, il le clame. Il a d'ailleurs déjà fait preuve de ce courage à Maïdan. Il a fait preuve de ce courage en disant que pour lui, cette adhésion à l'Europe, aux valeurs qui sont les nôtres, était plus forte que tout. Et c'est ce qui les fait tenir aussi. Alors leur bataille est la nôtre. Dire cela, ce sont des mots, cela veut dire, bien sûr, se battre pied à pied pour que les sanctions qui ont été prononcées, et pour la première fois, l'Europe est totalement unie. Et je le dis ici, je suis candidate à cette élection présidentielle, mais je suis dans cette unité avec l'action du président de la République, avec l'action de l'Union européenne, pour mettre un terme, pour bloquer, pour isoler Vladimir Poutine et permettre à l'Ukraine de retrouver le chemin de sa liberté. Et le chemin de cette liberté, l'Ukraine la veut en Europe et nous devons les accompagner. Nous devons les accompagner aussi sur ce chemin-là, sur ce chemin de l'Europe. Parce que l'Europe, c'est aussi ce modèle démocratique que nous portons. Et je le dis avec beaucoup de force, nous avons entendu des propos inacceptables, inadmissibles. Les masques sont tombés. Les masques d'une extrême droite qui courait après Poutine, qui attendait de lui cet homme fort, soi-disant, qui était le symbole de ce qu'il considérait comme le gouvernement le plus abouti sur la planète. Et puis, il y avait cette extrême gauche. Elle est là, toujours, expliquant encore tout à l'heure au Parlement qu'il faut tout faire pour qu'il y ait la paix. Oui, mais la paix, ça ne veut pas dire renoncer à se battre contre l'oppresseur. La paix, on la conquiert. La paix, on la conquiert et sa liberté, on la conquiert. Nous le savons. Et ce qu'en font aujourd'hui les Ukrainiens est cet appui qui est celui de l'Europe, celui de la France, celui aussi, bien sûr, de nos alliés au sein de l'OTAN. Cet appui-là est fondamental. Il y aura un avant et un après. Et les masques sont tombés. Et je vous le dis très clairement, dans ce moment très grave que nous vivons, dans ce moment où nous sentons tous ici, à Paris, partout en Europe, que tout peut basculer. Parce que nous sommes face à un homme qui, bien que totalement isolé aujourd'hui, avec les sanctions économiques, avec les mesures, les décisions courageuses qui ont été prises d'acheminer des armements pour que les Ukrainiens puissent se défendre, eh bien malgré tout, cet homme menace aussi nos libertés et notre modèle démocratique. Et ce modèle démocratique qui s'appuie à la fois sur l'état de droit, mais aussi sur le droit international, mais aussi sur le fait que non, les peuples ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi face à un autre peuple. Oui, qu'il y a des tribunaux internationaux. Oui, qu'il y a une possibilité de condamner un chef d'État, un dictateur qui plus est, pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité, lorsqu'il agresse un autre peuple. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Alors oui, les masques tombent. Et ceux qui étaient du côté de cette condamnation absolue d'un impérialisme américain, ceux qui étaient du côté aussi de la dénonciation, voire même de la haine de cette Europe et de la place de l'Allemagne dans cette Europe, eh bien ceux-là, les masques sont tombés. Mais que nous propose-t-il ? Pas du tout un chemin ni de paix ni de démocratie. Alors dans ce moment très grave, je crois que nous sommes ici nombreuses et nombreux à nous soulever aussi aux côtés du peuple ukrainien, à dire que le courage qu'ils ont doit aussi nous inspirer. Et là, je vais vous parler aussi en tant que petite fille de réfugié espagnol qui était un républicain de la guerre d'Espagne. Je peux vous dire que lorsque l'essentiel est en jeu, il faut savoir se lever. Et souvent, dans un pays comme le nôtre, dans cette démocratie ancienne, dans cette république ancienne, on se comporte en enfant gâté. Comme si cette république, comme si cette démocratie ne pouvait pas être atteinte, affaiblie. Elle l'est déjà depuis plusieurs années par ces populismes qui la gangrènent, par ces facilités qui font qu'on dénigre, les institutions, on dénigre même le vote qui ne servirait à rien. Je vous le dis, dans le moment
très grave, qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, il faut qu'il y ait un sursaut moral, ici aussi, dans notre pays. Que l'on considère que le droit, que la politique, que les institutions, que la démocratie, que la liberté à exprimer, bien sûr, des opinions, mais surtout à être respectueux de cette démocratie, c'est un devoir qui nous incombe. Et j'espère qu'il y aura aussi un avant et un après dans ce moment démocratique que nous vivons. Un avant et un après, pour que sur ce sursaut moral prenne le dessus sur tout ce que l'on a connu jusqu'à présent. Les masques sont tombés, nous sommes aux côtés du peuple ukrainien. En tant que maire de Paris, je voulais vous le dire aussi, nous sommes en train de nous organiser, d'organiser l'aide. Je sais que beaucoup de Parisiens m'ont déjà sollicité en me disant « Nous, on veut accueillir des réfugiés, y compris chez nous. » Nous avons mis en place une cellule de crise. Nous allons recenser toutes ces possibilités-là. Nous avons, à travers le numéro d'appel de la ville, le 3975, cette possibilité dès demain, pas ce soir, dès demain, de pouvoir recenser toutes ces aides. Nous allons bien sûr nous coordonner avec l'État, parce que tout ça doit être organisé pour que cela puisse être efficace. Mais cette coordination, cette mobilisation de notre ville sera aussi un élément qui va me mobiliser dans les jours qui viennent. Et je sais qu'il vous mobilisera aussi. Nous serons là, nous allons dégager une aide de 1 million d'euros aussi immédiate pour pouvoir venir en aide aux Ukrainiens, à la ville de Kiev et à tous ces réfugiés. Et nous allons nous battre à leur côté, pour que la démocratie en Ukraine, la démocratie pour eux synonyme d'Europe, soit aussi un message pour nous et un combat que nous partagions. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci Anne Hidalgo, merci. Je voudrais donner la parole maintenant à une autre grande dame de la République française, qui, elle non plus, ne transige pas avec les valeurs et avec les principes républicains, qui, elle aussi, j'en suis témoin, à la tête de sa région, au moment de la révolution du Maïdan à Kiev, a su instinctivement où était le bon côté, où était le parti de la justice. Elle est, elle aussi, candidate à la présidence de la République. Elle, ça n'est pas l'extrême gauche contre laquelle elle, l'extrême gauche poutinienne contre laquelle elle doit ferrailler, mais c'est l'extrême droite poutinienne au moins aussi redoutable avec laquelle elle doit aussi ferrailler et qu'elle doit ramener à la raison ou dont elle doit, se séparer et dont elle se sépare. Elle aussi, elle doit livrer cette bataille qui traverse le champ politique français, qui traverse nos débats d'idées, qui traverse nos querelles républicaines et qui est cette question brûlante au flanc de l'Europe, qui est la question ukrainienne. Cette grande dame donc de la République française, candidate à la présidence de la République et présidente de la région Île-de-France, je l'accueille, c'est madame Valérie Pécresse. Chère Valérie. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Si nous sommes aujourd'hui tous réunis, c'est pour dire notre soutien au peuple ukrainien et dire au peuple ukrainien qu'il n'est pas seul. Non, il n'est pas seul. Nous saluons son courage et son esprit de résistance. Nous saluons le courage et l'esprit de résistance de son président, Volodymyr Zelensky. Et nous entendons aujourd'hui son appel à l'aide. Aujourd'hui, le peuple ukrainien résiste. Il résiste par le cœur et par les armes. Mais nous devons être au rendez-vous de la fermeté et au rendez-vous de la solidarité. La fermeté en aidant le peuple ukrainien à se défendre. La fermeté en mettant en place des sanctions économiques drastiques contre la Russie qui frappent au cœur les intérêts des oligarques
et de M. Poutine. Et puis nous devons aussi être au rendez-vous de la solidarité. La solidarité, c'est-à-dire cette aide humanitaire que nous devons à ces centaines de milliers, bientôt millions d'Ukrainiens qui vont prendre la route et qui vont quitter leur domicile. Alors nous le savons, il va falloir se mobiliser. Moi, j'ai demandé à tous les maires, tous les présidents de département, tous les présidents de région qui partagent mes convictions, d'organiser une grande mobilisation nationale pour permettre d'acheminer de l'aide humanitaire sur place, pour permettre d'acheminer aussi de l'aide humanitaire dans les pays limitrophes, et puis aussi pour organiser l'accueil des Ukrainiens qui viendront se réfugier sur notre sol. Et là, je parle aussi en tant que présidente de la région Île-de-France. Mesdames et messieurs, mes chers amis, la guerre est revenue sur le continent européen. L'heure est grave. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Saurons-nous résister à la folie meurtrière d'un Vladimir Poutine? Saurons-nous défendre la liberté qui est l'une des valeurs gravées au fronton de notre République? Saurons-nous ramener la paix sur le continent? La question aujourd'hui qui nous est posée, serons-nous une France debout ou une France à genoux? Serons-nous une Europe debout ou une Europe à genoux? Alors, je le dis, nous devons aujourd'hui être fidèles à notre histoire. Et être fidèles à notre histoire, ça veut dire se lever. Se lever contre un régime autoritaire sans limite qui a décidé de bafouer l'ordre international. Là aussi, j'ai la conviction, mesdames et messieurs, que M. Poutine sera fort si nous sommes faibles et qu'il sera faible si nous sommes forts. Il y aura bien des leçons à tirer de cette crise. Il y aura bien des leçons à tirer de cette crise sur l'architecture de l'Europe. Il y aura bien des leçons à tirer de cette crise sur le fonctionnement de l'OTAN et sur la capacité de l'Europe à être autonome au sein de cette grande alliance. Il y aura bien des leçons à tirer sur notre indépendance énergétique, sur notre indépendance alimentaire. Il y aura bien des leçons à tirer sur l'organisation de la paix en Europe et comment nous pouvons désormais prendre notre destin en main. Il y aura bien des leçons à tirer, mais aujourd'hui, le temps des leçons n'est pas encore venu. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour obtenir un cessez-le-feu. C'est ça, aujourd'hui, l'objectif à court terme que nous devons poursuivre, et je vous le dis solennellement, la France a aujourd'hui, en Ukraine, rendez-vous avec son destin. L'Europe a aujourd'hui, en Ukraine, rendez-vous avec son destin. De mon côté, je serai toujours indéfectiblement aux côtés du peuple ukrainien. Merci. Merci, chère Valérie Pécresse. Avant de donner la parole à Ina Shevchenko, que je vais présenter s'il en était besoin dans une seconde, je voudrais vous donner, hélas, quelques nouvelles que je viens de recevoir en direct pendant notre réunion. Apparemment, l'immeuble de la télévision de Kiev a été sévèrement bombardé, partiellement détruit, et la télévision ukrainienne vient de cesser d'émettre, selon une information pas totalement confirmée. C'est la zone de Kiev. Bon, c'est la première chose. Deuxième information que je vous donne comme je les reçois. Il y a une colonne de 40 km de chars, 40 km de chars qui se trouvent aux portes de Kiev à l'heure où nous parlons, à 10 km de Kiev.
Et puis une information qui nous intéressera tous, mais qui nous intéressera pour certains d'entre nous peut-être de manière encore plus intense. Apparemment, la ville de Ouman, où se trouve le tombeau d'un des plus grands maîtres du judaïsme, le rabbi Nachman de Breslav, vient d'être évacué. La zone de Babillard, où se trouve le ravin où ont été ensevelis 33 000 juifs tués par les nazis, est en train d'être bombardée à quelques kilomètres. C'est probablement ce qu'entend Vladimir Poutine lorsqu'il parle de dénazifier l'Ukraine. Tuer une seconde fois les morts de Babillard, offenser la mémoire du rabbi Nachman de Breslav, offenser tous les juifs du monde qui, chaque année, pour Rosh Hashanah, de tous les pays du monde, se rendent en pèlerinage à Ouman. Je l'ai fait il y a 3 ans et c'est offenser tous les Ukrainiens du village d'Ouman et de sa région qui accueillent, comme il se doit, selon les règles de l'hospitalité, chaque année, ce pèlerinage magnifique à Ouman. Voilà les dernières nouvelles que je viens de recevoir, sur quoi je voudrais appeler donc à cette tribune encore une très grande dame, une journaliste de formation, une immense militante féministe qui porte à une lettre près le nom du plus grand écrivain ukrainien, la légende de la littérature ukrainienne. Je voudrais l'appeler maintenant sur cette scène. Il s'agit de Madame Inna Shevchenko. Bonsoir. Voilà, je suis sur cette scène dans ce lieu magnifique, entouré des personnes magnifiques, alors qu'en ce moment même, ma famille, mes parents, ma sœur, ma grand-mère qui a survécu la Deuxième Guerre mondiale et sont dans des abris anti-bombes, entourés des soldats russes qui, depuis ce matin, cible des civils dans notre vie, qui depuis ce matin détruit des immeubles, détruit des écoles, qui depuis ce matin terrorise la société civile dans la ville. Depuis 6 jours, les Ukrainiens souffrent d'une terreur, d'une violence atroce. Alors qu'il y a 6 jours, il y a 6 jours seulement, ce peuple a vécu une vie normale. Ils avaient des rêves, ils avaient des ambitions pour leur vie, tout comme vous, comme moi, en vivant ici en France. Et si je viens ici aujourd'hui, alors que ma famille traverse un moment le plus tragique, et alors que mon pays natal traverse est en train d'être détruite, en fait. C'est parce que, d'abord par désespoir, par impuissance, mais puis aussi parce que j'ai une intention très forte de faire comprendre tout le monde que les guerres ne sont pas seulement de géopolitique ou des idéologies. C'est tout d'abord et surtout des vies réelles, des gens réels. Et cette guerre en Ukraine en particulier, il s'agit d'un peuple dont l'existence même est bafoué, dont l'existence même est refusée par un vieux petit homme paranoïaque. L'Ukraine est attaquée par ce petit homme avec des ambitions gigantesques. L'Ukraine, les Ukrainiens sont attaqués, terrorisés aujourd'hui pour avoir commis le péché d'exister, le péché d'indépendance, pour avoir commis le péché de démocratie, de liberté, et oui, pour avoir commis le péché de montrer leur aspiration européenne. Parce que oui, il s'agit d'Europe. Si nous le voulions ou pas, il s'agit de tout le continent.
Il s'agit de la guerre contre l'Europe. Et cette guerre a lieu aujourd'hui en Ukraine. En fait, il faut parler aussi des responsables. Peut-être vous allez me dire qu'il n'est pas le temps, mais oui, il est le temps. Parce qu'il faut comprendre ce qu'il faut faire. Qui sont les responsables? D'abord, bien sûr, le seul responsable pour des crimes de guerre aujourd'hui en Ukraine, c'est Vladimir Poutine. Mais oui, aussi l'armée russe. Mais moi, je dis, j'insiste, que la responsabilité, l'immense responsabilité est aussi sur les épaules du peuple russe. Parce que leur silence ou leur obéissance pendant 22 ans à ce dictateur, c'est aussi leur responsabilité. Mais la responsabilité est aussi sur la communauté internationale. Et oui, il est difficile de l'admettre. Parce que, en fait, j'ai vu comment jusqu'au dernier jour, avant l'invasion, jusqu'au dernier jour, avant que les missiles, les bombes ont tombé sur nos villes, Vladimir Poutine a été traité comme un partenaire commercial, un partenaire politique, au lieu d'être traité comme une menace. Il y avait tous les signes. Il y avait assez de signes. Il y avait la guerre en Tchétchénie, il y avait la guerre en Géorgie, il y avait la guerre en Ukraine depuis 2014. Il y avait les répressions en Russie. Il y avait aussi l'assistance de Vladimir Poutine au régime criminel d'Alexandre Loukachenko. Et salut, par ailleurs, les résistants biélorusses, je vais Biélorusse. Il y avait aussi les persécutions contre la société civile en Russie, en Ukraine. Nous, la société civile en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, on a alerté la communauté internationale depuis les décennies. Depuis des décennies, on se bat. On a alerté de cette menace. Mais les liens commerciaux ont été renforcés, les liens diplomatiques ont été maintenus. Et donc aujourd'hui, on est face à ce drame. Il est tard de prévenir la guerre en Ukraine. Cette guerre est déjà là. Et la réalité nous frappe durement. Et il est très, très difficile de l'admettre pour quelqu'un comme moi qui croit en utopie. Je vis avec mes utopies humanistes, féministes. Mais il est temps, il est nécessaire de l'admettre. Parce que oui, la réalité nous a frappés durement. Il est temps de se battre pour de vrai. Il est temps de se battre pour de vrai et ne pas dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Parce que non, nous pouvons faire encore plus. Oui, nous avons besoin encore plus de sanctions et les sanctions doivent être encore plus sévères. Non pas pour arrêter Poutine, non, parce que les sanctions ne vont pas arrêter Poutine. Mais pour isoler encore plus la Russie et pour passer le message très clair à la population russe qu'en restant silencieux, en acceptant ce criminel qui représente toute la Russie aujourd'hui et chaque Russe, malgré leurs sentiments et leurs pensées, il représente la Russie et cette population. Il doit comprendre que eux, ils vont souffrir si Poutine reste au pouvoir. Parce que c'est que la population russe, les Russes, sont les seuls qui peuvent détruire Poutine. Pas nous, c'est les Russes. Et il est urgent d'insister, de demander, il est urgent de demander plus d'aide à l'Ukraine. Plus d'aide militaire, plus d'aide humanitaire. Aujourd'hui, il y a des villages, des petites villes, où les gens sont entourés, capturés par les soldats russes. Ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas de la nourriture. Il y a les enfants et les bébés qui n'ont pas de l'alimentation nécessaire. Il y a une crise humanitaire déjà en train, qui se passe déjà en Ukraine. Cette aide est urgente. Donc oui, nous devons prendre nos responsabilités, nous devons demander plus d'aide. Ma sœur, vous savez, ma sœur aujourd'hui, elle m'a envoyé un message.
Elle m'a dit, tu sais, Ina, partout dans l'Europe, printemps arrive, mais en Ukraine, l'hiver commence. Je sais que l'hiver se termine, un jour va terminer aussi. Et printemps arrivera en Europe, en Ukraine aussi. Je sais qu'un jour, la guerre va être terminée aussi. Je sais aussi qu'un jour, les politiciens s'en serreront encore la main. Mais je sais aussi que les parents vont souffrir toujours d'avoir perdu leurs enfants. Et je sais que les enfants vont souffrir, vont pleurer toujours leurs parents. Donc il est temps de prendre nos responsabilités pour celles et ceux qui restent ensemble et qui restent vivants. Il est temps de répondre à celles et ceux en France, les politiciens de droite et de gauche, ce qui est particulièrement scandaleux et honteux, qui continuent de nous faire croire qu'il s'agit d'un conflit sur l'OTAN, qu'il s'agit des nazis en Ukraine, en faisant écho à la propagande du Kremlin. Non, il ne s'agit pas de l'OTAN. L'Ukraine a été envahie par Vladimir Poutine en 2014. Et à ce moment-là, l'Ukraine a été un pays neutre. Il ne s'agit pas des nazis en Ukraine non plus. L'Ukraine, c'est un pays qui a choisi un président juif. Et les partis d'extrême droite ont obtenu seulement 5% aux dernières élections. Il me semble, en France, ils sont beaucoup plus populaires, n'est-ce pas? Donc oui, il s'agit d'un peuple qui veut exister, qui veut être indépendant. Il s'agit d'un peuple qui veut avoir un avenir européen. Il s'agit de l'Europe. Il s'agit de la paix de l'Europe. Les Ukrainiens, si l'Ukraine va tomber, le rêve européen va être détruit. Tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit comprendre que cette guerre concerne chacun sur ce continent. Donc je sais que, encore une fois, le printemps arrivera en Ukraine aussi et que la guerre va être terminée. Mais nous, les Ukrainiens, on ne va jamais oublier, on ne va jamais pardonner cette violence et on ne va jamais oublier la lâcheté. Slava Ukraini! Heroyam slava! Avant de reprendre les prises de parole, le président François Hollande est arrivé, le Premier ministre Bernard Cazeneuve est arrivé, le ministre Christophe Castaner est arrivé, mais je voudrais d'abord que nous regardions les images de Patty Smith que je vous ai annoncées tout à l'heure. Et voilà, vous allez voir. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, lancer la vidéo de Patty Smith, donc reçue hier soir, arrangement donc de l'hymne ukrainien que nous avons chanté tout à l'heure. Hello everybody. My name is Patty Smith and I am in New York City and I want to send all of my love and prayers to the people of Ukraine and we are thinking of you every moment and I wanted to send a very simple humble tribute to your beautiful anthem. It's a very simple translation, and I send it really just with love. And I you know, all of our hopes, and you know, all of our energy is with you. I just
What more can I give you from afar than my love? So, Ukraine's freedom has not perished, nor her glory gone. Once again, all Ukraine, fate will smile upon. Enemies will vanish like dew in the sun. We shall possess, my people, a free land of our own. We will lay down soul and body and show that we are one. We will stand together for freedom. None shall take our home. Ukraine's freedom has not perished, nor her glory gone. We will stand together for freedom. None shall rule our land. Love to everyone. God's are with you. And that small peace sign you see in the in my room next to my bed is felt all of the time, and we extend it to you. Bye. Bye-bye. Merci. Je dois dire que lorsque j'ai reçu ce... Lorsque Emily Hamilton de la Règle du Jeu m'a fait parvenir hier soir cette vidéo de Patti Smith que je n'avais pas revue depuis des années et avec qui j'ai défilé pour la première fois contre la guerre du Vietnam en 1967, la première initiative politique que nous avons eue ensemble. C'était en 1967 à Paris, boulevard Saint-Michel, contre la guerre du Vietnam. Lorsque j'ai reçu hier soir, à l'heure du dîner, cette vidéo, ces mots, cette simplicité, ce cadeau de cette icône absolue qu'est Patti Smith, j'en ai pleuré. Et je suis heureux que ça vous fasse plaisir aussi et j'espère que cela fera plaisir sous les bombes et dans les caves où ils se terrent aujourd'hui, tous les Ukrainiens qui nous regardent. Voilà, je voudrais passer la parole maintenant. J'espérais en vérité, mais je suis toujours très mal informé, très mal informé, enfin je prends mes désirs pour des réalités, disons. J'espérais qu'aujourd'hui, nous aurions un nouveau candidat déclaré à la présidence de la République. Ce n'est pas le cas. En revanche, je voudrais accueillir celui qui aujourd'hui porte sa parole, qui est un de ses compagnons et qui porte sa parole. Et sa parole est particulièrement importante à l'heure qu'il est, pas puisque ce que l'Europe a fait de convenable toutes ces dernières heures, les décisions qu'elle a fini par prendre, le leadership qu'elle a assumé, cette expérience sans précédent de sanctions financières massives visant les personnes, les sociétés, les interdictions de commercer, cette manière de couper la Russie des systèmes d'échange et de commerce internationaux, cette façon de la mettre donc au banc des nations, pas la Russie elle-même, bien sûr, pas la Russie de Tolstoï et de Dostoïevski, de Chostakovitch et de Solzhenitsyn, mais la Russie de Vladimir Poutine. Cette façon qu'a eu l'Europe de traiter la Russie comme si elle était une immense Corée du Nord,
Je crois que tout cela doit beaucoup à l'aiguillon, à l'initiative et à l'acharnement français, c'est-à-dire à la volonté du président de la République, dont je pensais qu'il serait candidat aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'accueille avec beaucoup de joie son porte-parole, donc pour la circonstance, et il l'a été dans d'autres, mais pour la circonstance en tout cas, M. Christophe Castaner. Mesdames, Messieurs, cher Bernard Henri-Lévy, j'aimerais au fond pouvoir me taire. J'aimerais pouvoir ne pas m'exprimer après les témoignages que j'ai entendus à l'instant depuis tout à l'heure. Tant je trouve que la parole politique de celui qui est président d'un groupe à l'Assemblée nationale n'a finalement peut-être pas sa place face à ces cris que l'on entend. Mais au moment où je vous dis ça, je pense à ces députés de la Rada, la Chambre législative ukrainienne à Kiev. Ces députés qui, depuis quelques jours déjà, ont pris les armes. Ces jeunes députés, mais pas seulement, qui, au moment où on se parle, sont sortis dans la rue, sont sortis dans des tranchées de fortune qu'ils ont construites, aménagées avec les habitants pour résister à l'oppression, à l'envahisseur russe. Ils ont pris les armes et ils savent. Ils savent qu'ils peuvent mourir dans ce combat-là. J'ai envie de me taire parce que cette question qu'on doit toujours se poser, de savoir si nous serions capables d'être à la hauteur dans ces moments-là, est une question qui me taraude au moment où je vous parle, au moment où je m'exprime. Et je ne suis pas capable d'être sûr de moi pour vous répondre que, évidemment, je saurais prendre les armes. Mais ce que je vis au plus profond de moi, dans ces échanges permanents que le président de la République a voulu construire au fil des difficultés, mais toujours face aux difficultés, avec évidemment le président Zelensky, mais pas seulement, avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement européens, pour porter une voix forte, extrêmement forte, pour dire l'inacceptable, l'inacceptable que personne ne peut accepter, l'inacceptable qui appelle à des sanctions particulièrement fortes, exceptionnelles. Le président de la République a voulu ne rien lâcher, parce que au fond, c'est ce que nous sommes qui est en cause. C'est notre démocratie, ces valeurs qu'il déteste, Vladimir Poutine. C'est au fond ce modèle de démocratie dans lequel on se chamaille, dans lequel on se divise, dans lequel on s'oppose. Mais c'est tellement bien de se chamailler, de se diviser, de s'opposer, parce que c'est ça la démocratie. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est un peuple, ce sont des femmes, des hommes, des enfants. Je suis sûr qu'ici, beaucoup d'entre vous connaissent la beauté de Kiev, connaissent la beauté de Tbilissi aussi, à laquelle je pense au moment présent. Des villes qui, il y a quelques jours, ressemblaient à Paris, telle qu'on l'a connue ce week-end, avec ce grand soleil où les Parisiens, les touristes se promenaient le long de la Seine. Alors qu'au moment présent, quelques jours après, l'impossible est là. Un dictateur, le dictateur Poutine, a décidé, au nom d'une histoire totalement mythifiée, totalement idéalisée, alors qu'on sait qu'elle ne correspond à rien de la réalité, au nom d'une histoire qu'il réécrit, a décidé d'annexer et de massacrer. Au moment où on se parle, on sait l'étau qui se resserre tout autour de Kiev. On sait que cet après-midi même, ils ont frappé les capacités des maîtres des médias ukrainiens pour les faire taire, pour empêcher de voir et de dire la vérité. Il y a près d'un millier de reporters, de journalistes qui sont présents sur place avec la prise de risque qu'ils font. Et donc, c'est à eux aussi que je pense. Mais c'est évidemment à celles et ceux qui résistent dans le plus beau sens du terme, qui résistent pour porter cette ambition. Alors oui, il y a une réponse internationale majeure. Bernard-Henri Lévy vient de la rappeler. Elle est non seulement massive, significative, impactante, elle vise à la fois la Russie, à la fois les intérêts des oligarques et à la fois les intérêts aussi de Vladimir Poutine et de son Premier ministre. Parce que évidemment, il faut les frapper au portefeuille, mais je pense au peuple russe. Je pense au peuple russe qui sera aussi les premières victimes de ces mesures-là. Mais je pense plutôt au peuple russe, celui qui est partout dans le monde, mais même en Russie, et qui a su se lever, manifester pour dire à Poutine que c'est inacceptable. En prenant tous les risques, eux aussi, dès la première manifestation, 1600 personnes ont été arrêtées, et je pense à eux aussi.
Parce que comme ces députés de la Rada, il faut aller chercher en soi ce courage-là. Et je garde ma part de doute en disant cela. Et donc, il est indispensable que vous maintenions cette pression. Le seul sujet est de savoir si l'aide, y compris l'aide militaire, et c'est une révolution au niveau européen de voir l'Europe qui accepte de préfinancer 500 millions d'euros d'acquisition de matériel, à la fois de protection pour 50 millions, mais de 450 millions d'euros d'armes létales pour armer les Ukrainiens dans leur défense. Ça ne s'était jamais vu. Et ça fait partie aussi des révolutions que nous vivons. Mais la question qui se pose, c'est savoir si nous n'arriverons pas trop tard, y compris sur les armes. Un hub est en train d'être organisé à la proximité de la frontière. Mais je ne suis pas sûr, au moment où je vous parle, que cela puisse monter en puissance. Et donc, il nous faudra de toute façon nous préparer à des temps de guerre longs. Le jour d'après, pour Vladimir Poutine, en Ukraine, sera extrêmement long. Mais je pense à ces heures, à ces jours, à ces semaines de résistance et à ces femmes et ces hommes qui, au péril de leur vie, vont agir. Je pense, au fond, à ces valeurs qu'ils nous contestent et sur lesquelles nous devons rester totalement engagés, totalement mobilisés. Alors oui, il y a une campagne électorale. Oui, il y a des désaccords. Oui, il y en a qui se sont montrés très alignés, trop alignés sur la Russie de Vladimir Poutine. Mais moi, je ne retiendrai qu'une seule chose. La volonté aujourd'hui, et je l'ai entendu tout à l'heure encore dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour un débat sur le sujet de la guerre en Ukraine, la volonté de presque tous de faire front et de soutenir ces femmes, ces hommes, tous ceux qui portent en eux ces couleurs dont ils sont si fiers, du jaune et du bleu, ce drapeau de l'Ukraine, tous ceux qui portent ces valeurs, tous ceux qui portent cette force de vie. Alors nous devons répondre, nous avons répondu, mais le combat continuera sans cesse. Et je pense vraiment, du fond du cœur, que Vladimir Poutine vient d'écrire la fin de sa propre histoire. Merci Christophe Castaner. Je voudrais vous lire un message que je viens de recevoir, un message de Kiev. À l'instant, là, enfin, il y a 15 minutes que je viens de traduire très rapidement. C'est un message de Vitali Klitschko qui nous écrit la chose suivante. Monsieur le Président de la France, Madame la Maire de Paris, citoyen de Paris, cher Monsieur Bernard, je m'appelle Vitali Klitschko, je suis le maire de Kiev. Une immense colonne de chars russes assassins est à 30 km de Kiev, pour donner l'assaut. Nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Comme vous avez, vous, Parisiens, libéré votre ville, les armes à la main des occupants de l'Allemagne à l'été 1944. Capitale de la liberté, Paris, votre si belle ville, nous est chère à tous. Nous sommes, continue Vitali Klitschko, les fils et les filles du Maïdan, cette place au cœur de Kiev, où sont morts nos héros il y a 8 ans, comme vous les Parisiens, vous êtes les fils et les filles de la Bastille. Pensez à nous, nous savons que vous êtes avec nous toutes ces nuits et tous ces jours terribles. Kiev, ma ville, se bat pour toutes les villes, pour Paris, Berlin, Madrid, qui veulent voir le printemps et vivre libre. Fraternité, pensez à nous. Signé Vitali Klitschko. Et je voudrais enfin, avant de donner la parole au président François Hollande, et vous allez voir pourquoi, s'il le veut bien, s'il peut attendre encore quelques minutes, cela est important. Je voudrais que nous regardions, après le message de Vitali Klitschko, le message que nous a adressé l'ancien président Petro Poroshenko et dont nous avons les images. None of us would ever imagine to live in the wartime. They want us to panic and capitulate within an hour, and they fail at every instance.
As of today, we have survived 5 nights of hell and 5 nights against the second army of the world that attacking our country with all its might, anger, and hate. And I would like to tell you a story I received from the small town, just maybe 50 kilometers from here, from Kiev, near occupied Chernobyl nuclear power plant. After occupation, Russian soldiers have destroyed mostly all of the civilian infrastructure, school, museums, shops, small factories, just razed to ground. Yesterday, they set on fire the last pharmacy. They are razing the town from the ordinary houses and shooting people on the street. Every single inch of our land matters. But if Kyiv withstands, Ukraine withstands, Europe withstands. If Kyiv withstands, it will mean significant victory for us and for you. Not only for Ukrainians, but for all Europe and the world of democracies. Ce message date de quelques heures et je voulais donc vous le présenter avant d'accueillir François Hollande pour la raison suivante. J'ai rencontré Petro Poroshenko il y a 8 ans sur le Maïdan. C'était un dimanche, pas tout à fait n'importe quel dimanche d'ailleurs, puisque c'était quelques jours après le massacre de la place du Maïdan. Rappelez-vous, les milices de Yanukovych, les milices Berkout avaient tiré sur la foule et avaient fait 100 victimes. On les appelle à Kiev, on les appelle chez les héritiers du Maïdan, on les appelle chez ceux qui savent qu'un ordre, une république ukrainienne nouvelle est née sur le Maïdan, la centurie céleste. J'étais sur le Maïdan donc le dimanche d'après et je me suis trouvé à côté de cet homme. Petro Poroshenko, Yanukovych était encore en place, ses Berkout étaient encore capables de semer leur œuvre de mort, et il s'apprêtait à être candidat avec Vitali Klitschko, contre Vitali Klitschko, quelques jours plus tard. Nous nous sommes succédés sur cette place du Maïdan, devant cette foule magnifique, qui en effet, le maire Klitschko a raison, ne peut pas ne pas rappeler à une âme française les grandes heures de notre ville, de notre capitale. Et j'ai pris contact avec le président de la République, François Hollande, qui m'a fait l'honneur de me rappeler. Je lui ai dit mes sentiments, mon émotion sur cette place, ma conviction que quelque chose d'essentiel était en train de se jouer, non pas pour la région, mais pour l'avenir de l'Europe et pour le monde. Je lui ai dit que je venais de rencontrer successivement deux personnages étonnants, un champion du monde de boxe, Vitali Klitschko, dont je viens de lire le message, et puis un industriel du chocolat, M. Petro Poroshenko, qui tous les deux semblaient prêts à tenter la grande aventure de la démocratie. Et le président Hollande a accepté de les recevoir sans délai, dans les heures qui ont suivi. Dans cette atmosphère où tout pouvait basculer, pour le pire ou pour le meilleur. Il les a reçus. Et parmi les très grands souvenirs de ma vie d'intellectuel engagé, d'homme public, parmi les très grands souvenirs de cette part-là de ma vie, il y a le moment où au palais de l'Élysée, mon président, le président de notre pays, s'est trouvé face à ces deux hommes qui n'avaient que la légitimité du Maïdan, qui avaient la légitimité de la passion de la liberté qui animait l'Ukraine, mais qui n'étaient pas en place, qui étaient candidats à une élection qui peut-être se tiendrait. Nous l'espérions, mais peut-être pas. Et il s'est passé ce jour-là, j'ai eu l'honneur d'en être le témoin, entre le président de mon pays et puis celui qui allait bientôt devenir le président de l'Ukraine, quelque chose
de très important dont je ne révélerai évidemment pas les détails. Un jour, j'en parlerai quand je serai mort. Là, c'est trop tôt. Il s'est passé quelque chose de capital qui fait que la France a renoué une fois de plus son pacte séculaire avec la liberté. Et lorsque quelques mois plus tard, lorsque le président Hollande a choisi de ne pas se représenter, je me souviens avoir posté sur mes réseaux sociaux son nom, son image du président Hollande, avec ces simples mots « grand président ». Et ce que j'avais en tête, c'est quelques hauts faits dont il était comptable, et en particulier celui-là. Cette façon dont il a reçu le futur président Porochenko, cette façon dont il lui a donné sa confiance, cette façon dont il a engagé la France derrière lui, cette façon qu'il a eu d'inventer le format Normandie et le format de Minsk, cette façon de tenir tête à Poutine dans ces nuits infernales où Vladimir Poutine sortait son labrador parce qu'il savait que ça allait faire peur à Madame Merkel qui avait peur des chiens et qui ne sciait néanmoins pas davantage que le président Hollande, que je suis vraiment très heureux d'accueillir à son tour à cette tribune. Bien, chers amis, je voulais m'associer à cette initiative prise par Bernard-Henri Lévy aujourd'hui d'exprimer notre solidarité à l'égard du peuple ukrainien au moment où, à Kiev, à Kharkiv, il y a des bombardements qui font des victimes civiles en grand nombre. Bernard-Henri Lévy a voulu revenir sur ce qu'avait été ma propre participation à ce que l'on a appelé les accords de Minsk et avant donc le format Normandie. C'est vrai qu'après Maïdan, il y avait une nécessité de donner une légitimité au président qui serait élu par ce processus, j'allais dire, post-Maïdan. Ce fut donc Pedro Porochenko qui a été élu, et pendant plusieurs semaines, Vladimir Poutine n'a pas admis de rencontrer le président ukrainien tant il déniait sa légitimité. Et d'ailleurs, dans les propos qu'il tient aujourd'hui, il considère que la seule Ukraine qui vaille était celle d'avant Maïdan. C'est-à-dire celle d'un président ukrainien qui était délibérément pro-Poutine, ou en tout cas qui n'était pas libre de ses mouvements, y compris pour approuver un accord d'association avec l'Union européenne. Ce que nous avons fait avec Madame Merkel en juin 2014, c'est de faire rencontrer Vladimir Poutine et le président ukrainien, Porochenko, pour qu'un processus de paix puisse être engagé. Et c'est quelques mois plus tard ce que furent les accords de Minsk, au terme d'une nuit dont Bernard-Henri Lévy a voulu retracer l'intensité, mais qui fut longue au point de déborder sur une partie de la journée du lendemain. Et c'est cet accord de Minsk qui a été déchiré ces derniers jours et qui a provoqué, on le sait, l'invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force. Et il n'y a de diplomatie possible avec Vladimir Poutine que sur la base et sur le fondement d'un rapport de force. Que ce rapport de force fût celui d'un vote démocratique, ce qui était le cas après Maïdan, ou d'une volonté puissante de l'empêcher d'aller plus loin et de le faire revenir à ce que l'on appelle la raison. Aujourd'hui, le rapport de force, c'est l'armée qui l'a engagé et c'est l'invasion qui l'a provoquée. Aujourd'hui, le rapport de force, c'est de bombarder des villes, c'est d'encercler Kiev
et c'est de provoquer une négociation sur des bases qui sont celles de la compromission. Face à ces armes-là, quelle est ou quelles sont les nôtres ? Les nôtres sont d'abord dans les mains des Ukrainiens eux-mêmes. C'est la résistance ukrainienne, c'est la capacité qu'a ce peuple de faire prévaloir non seulement sa dignité, mais sa volonté d'indépendance. C'est aussi les équipements militaires que nous fournira à l'Ukraine qui permettront d'assurer pendant des jours et des jours, et le temps va compter, que l'Ukraine puisse sauvegarder son indépendance et mettre un coup d'arrêt à l'invasion. Il y a aussi une deuxième arme que les Européens, les Américains et d'autres pays ont voulu prononcer, ce sont les sanctions. Il y avait déjà des sanctions au moment de Minsk. Elles avaient même été renforcées. Celles qui ont été édictées sont sûrement à un niveau bien supérieur. Sanctions à l'égard des dirigeants, des oligarques, Vladimir Poutine lui-même. Mais je pense qu'elles ne sont pas suffisantes. Elles ont été heureusement complétées par des sanctions sur les conditions financières, les transactions, les banques, la banque centrale russe. Elles sont importantes, mais elles n'auront d'effet que dans le moyen terme. D'où l'enjeu du temps. Et puis enfin, il y aurait une sanction plus grave encore, plus lourde encore pour l'économie russe, c'est de couper une part des approvisionnements en gaz et en pétrole. Comment comprendre d'ailleurs, même si l'on sait les difficultés, les contraintes, notamment pour certains pays, pour obtenir du gaz et du pétrole, mais comment comprendre qu'on puisse continuer à acheter du gaz et du pétrole à la Russie au moment où elle agit en Ukraine, comme l'on sait. Et puis enfin, il y a la mobilisation internationale, la vôtre encore aujourd'hui, c'est-à-dire tous ces mouvements puissants dans certains pays. Des centaines de milliers de personnes ont défilé en Allemagne. Cette mobilisation internationale qui aboutit à isoler non pas le peuple russe pour lequel nous avons de l'amitié, mais la Russie telle qu'elle est aujourd'hui présidée et dirigée. Cet isolement dont on pourrait penser qu'il est pour Poutine relativement négligeable, détrompez-vous. Il est soucieux de son image. Elle est pourtant bien dégradée. Il est dans la recherche d'être un acteur majeur du monde. Il l'est d'une certaine façon. Mais vivre isolé, coupé, être à chaque fois la cible, voir son pays isolé politiquement, diplomatiquement, économiquement, l'être aussi sur le plan culturel, sur le plan sportif, tout ça est aussi une peine, une sanction. De la même manière, même si la Chine lui porte son soutien, être pour Vladimir Poutine dans les mains chinoises n'est pas non plus pour tout à fait le convaincre et le rassurer. Alors, cette mobilisation, elle est tout à fait nécessaire. On croit souvent que les sociétés civiles sont de peu d'importance. Ce n'est pas vrai. Tout ça fait partie de ce rapport de force. Vers quoi devons-nous aller ? Et je reviens vers les accords de Minsk. Ils ont été déchirés. Ils doivent être le fondement, la base de la négociation future. Ces accords de Minsk proposaient à la fois un cessez-le-feu. Celui-là est nécessaire. Il est préalable à tout. Mais prévoyez l'intégrité de l'Ukraine, la souveraineté de l'Ukraine, les frontières de l'Ukraine. Et ça, c'est le grand enjeu, de savoir si l'Ukraine, demain, sera préservée dans son unité et dans sa souveraineté. Voilà ce que je voulais ici vous dire. Souvent, on prête aux dictatures des moyens
puissants que les démocraties ne peuvent pas utiliser à bon droit. C'est vrai que les dictatures peuvent réprimer, massacrer, interdire, violenter et aussi étouffer. Mais il se trouve que les démocraties gagnent toujours à la fin, car les démocraties sont portées par l'esprit que les peuples ne veulent jamais voir disparaître, qui est celui de la liberté, qui est l'oxygène des peuples. Et donc, même si ça prend parfois du temps, je suis sûr que la démocratie finira par vaincre toutes les dictatures. Merci. Je voudrais que nous, avant de donner la parole au grand rabbin Haïm Korsia, je voudrais que nous recevions le message d'un grand ami ukrainien, qui est aussi, je crois, un ami de Patti Smith, un grand musicien, qui s'appelle Svyatoslav Kartchenchouk, qui est un grand musicien, un bon compositeur, grande vedette en Ukraine. Et le hasard fait qu'il était candidat à l'élection présidentielle juste avant que Volodymyr Zelensky ne se déclare. Vakarchuk était le candidat de la société civile qui s'apprêtait à se lancer et qui a cédé la place à Zelensky. C'est un artiste. Il incarne cette culture ukrainienne dont on ne parle pas assez, qu'on ne connaît pas assez. Et c'est aussi un homme engagé. Il voulait être parmi nous. Et il ne peut pas l'être puisque l'Ukraine est à ce jour totalement coupée du monde et Kiev, sa ville, coupée du reste de l'Ukraine. Mais nous allons donc voir son message. Allez-y. While recording this video, Russian soldiers commit a crime, fulfilling crazy orders of a crazy dictator. And we fight back, and we resist, and we will fight till the end. And we have a message for you. Europe, please stand with us. We need your help. With the help of your military equipment, with the help of your money, we will become stronger and more confident. With sanctions that you can impose on Russia, Russia will become weaker and less confident. We are fighting for our future, but we are also fighting for your future. Because, as you know from history, today they come to kill us, you'll be next. We saw it in 1938, 1939, 1941, 1945. So my message is very simple. Stand with us as Ukraine stands with you. C'est une des phrases d'ailleurs que j'ai entendues le plus souvent en Ukraine avant ces jours d'infamie et ces jours sombres. Lorsque je me suis trouvé sur le Maïdan, lorsqu'avec mes camarades nous avons filmé les tranchées du Donbass, lorsque nous avons passé du temps pour un film récent à remonter de Marioupol à Louhansk, l'ensemble de la ligne de front, cette phrase-là, « Soyez avec nous car nous sommes avec vous ». Soutenez-nous parce que nous sommes vos avant-postes. Soutenez-nous parce que nous sommes vos sentinelles, les sentinelles de la liberté contre la brutalité poutinienne. C'est l'une des phrases que j'ai entendues le plus souvent en Ukraine et je trouve magnifique que mon copain Vakarchuk l'a
redisent aujourd'hui. Je trouve magnifique aussi de saluer la présence là qui vient d'arriver, je le vois si je vous reconnais bien, malgré ma vue basse, Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer qui vient de nous rejoindre. C'est si important que vous soyez là. Jean-Michel Blanquer qui se trouve être d'ailleurs, et alors bravo pour le don d'ubiquité, parce qu'à travers votre, je sais qu'à travers votre laboratoire républicain, vous avez créé il y a quelques semaines, je crois, vous avez organisé aujourd'hui même à l'Assemblée nationale et quasiment à la même heure, en tout cas j'imagine dans quelques minutes, un événement similaire de soutien à l'Ukraine. Et je suis donc très heureux, très honoré que vous ayez pris la peine de nous rejoindre. Et dès que nous en aurons terminé au Théâtre Trompe-Toile, j'espère qu'on sera très nombreux. Si on a le droit, je ne sais pas, est-ce qu'on peut entrer comme ça à l'Assemblée nationale, comme ci, comme ça, pas sûr. C'est peut-être plus facile au Théâtre Trompe-Toile. Salut en tout cas, Monsieur le ministre. Merci de votre présence. Merci. Et je voudrais donner la parole à Haïm Korsia, qui lui aussi nous fait l'honneur d'être là pour parler de cette Ukraine si atrocement diffamée, cette Ukraine qu'un facho prétend défachiser, qu'un héritier des méthodes nazies prétend dénazifier, cette Ukraine qui a eu le cran de porter à la fonction suprême ce juif de l'oblast de Dnipropetrovsk dont nous parlions tout à l'heure, Volodymyr Zelensky. Je suis heureux que le grand rabbin Korsia nous dise ce qu'il pense de tout ça. Mes chers amis, c'est très émouvant pour moi de parler après tous ces témoignages. Et puis, je tiens avant toute chose à remercier Bernard-Henri Lévy de nous avoir offert de pouvoir faire quelque chose. Il n'y a rien de pire, me semble-t-il, dans cette circonstance, de se sentir impuissant. Et au-delà de cette impuissance, il y a ce vers incroyable d'Yves Simon dans une chanson merveilleuse. Le silence est toujours complice ou trompeur. Et donc, vous nous donnez l'occasion de dire quelque chose, de parler, d'avoir ces paroles qui font écho à cette idée. Restez avec nous, soyez avec nous. Je voudrais vous remercier aussi pour la progression que vous avez suivie dans votre remarquable discours d'introduction. Le président ukrainien était un petit juif. Là, il est passé juif. Et moi, je vous dis que c'est un grand juif. Parce que c'est un grand Européen, et je crois que le judaïsme a aussi ensemencé cette Europe. Et nier l'Europe, c'est nier le judaïsme. Et c'est un paradoxe que vous soulignez très justement, que ceux-là même qui veulent nier l'Europe dans ce qu'elle est et dans l'espérance qu'elle incarne, sont toujours ceux qui nient le judaïsme, cette histoire du judaïsme. Vraiment, tout a été dit, mais je veux rajouter une toute petite chose. D'abord, sur ce témoignage bouleversant, sur le printemps qui va arriver partout et l'hiver qui semble s'apesantir sur l'Ukraine. Oui, mais il y a des hivers très courts. Il est des hivers très courts. Et dans mon calendrier, celui qui rythme les fêtes du calendrier juif, il se trouve que dans 2 jours, c'est un nouveau mois. Et la tradition juive nous dit que lorsque ce mois arrive, le mois de Hadar, c'est le mois des renversements de l'histoire. C'est en fait l'histoire du rouleau d'Esther. Cette histoire qui nous raconte qu'un tyran veut absolument éradiquer une population des 127 provinces du roi Assuérus. Et finalement, il l'emporte. Il l'emporte parce qu'il croit en la joie. Il croit en l'espérance au-delà de tout. Alors bien sûr qu'ici, c'est plus facile de le dire que là-bas. Mais eux doivent savoir que nous sommes avec eux, que nous sommes solidaires. Et puisque vous avez si justement rappelé la volonté même de destruction de Ouman, le tombeau de ce rabbin Nachman de Breslav, laissez-moi partager avec vous ce qui est l'un des plus beaux chants du judaïsme, qui dit la chose suivante, et si vous me permettez de le dire en hébreu, n'y voyez pas, cher monsieur le ministre, une atteinte à la laïcité.
L'hébreu est aussi une langue qu'on enseigne dans l'école de la République. Je vous dis juste le début en hébreu. Kol haolam kulo gesher tsarmeod. Le monde entier, c'est une pensée de Rabbi Nachman de Breslav. Écoutez la résonance avec notre actualité, ce que nous vivons. Le monde entier est un pont étroit. Et le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. Voilà ce que je voudrais souhaiter vivre avec le peuple ukrainien. Le monde entier est un pont étroit, c'est vrai. Mais le principal, et nous, vous le démontrez, je m'adresse aux Ukrainiens, vous le démontrez sur place, mais le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. Et en n'ayant absolument pas peur, nous porterons cette espérance double que nous offre la Bible. La première, qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cette espérance de fraternité qui fait la force de la République et que oui, nous avons d'une certaine manière offert au monde. C'est cette fraternité-là qui nous fait résonner en même temps que nos frères et nos sœurs d'Ukraine. Et puis, ce que dit la Bible de manière extraordinaire, Dieu dit « Lo bekoar velo bechail », ni avec le nombre, ni avec la force, ni avec la puissance, mais avec l'esprit. Aujourd'hui, juste être là, c'est peut-être aussi sauver une part de l'âme de l'Europe. C'est ce que font les Ukrainiens sur place. C'est ce que nous essayons de faire simplement en portant leurs bras, en étant à leur côté et en leur disant que leur combat est notre combat. Merci. Un mot. Petit juif, c'est un concept et Zelensky, c'est un miracle. Petit juif, c'est un concept dans un livre que je ne voudrais pas citer mais que vous connaissez puisque vous avez été le premier à saluer. J'expliquais pourquoi nous étions tous des petits juifs. Eu égard au feu des lettres carrées, aux exigences de l'étude dans laquelle, pour certains d'entre nous, et c'est le cas de Zelensky, nous ne sommes pas entrés, nous sommes tous des petits juifs. Je le pense très profondément. Zelensky, c'est un miracle parce que ça, honnêtement, c'est un tel crachat à la figure de cet imbécile de Poutine. C'est une telle insulte à leur inintelligence que ça mérite quand même de rappeler. D'ailleurs, la première question que je lui ai posée lorsque je l'ai rencontré, Volodymyr Zelensky, à la veille du premier tour de la présidentielle ukrainienne, je lui ai demandé s'il n'allait pas être un nouveau Coluche. La deuxième, c'est s'il se sentait proche de Ronald Reagan, un autre acteur devenu président. Et puis quand même, celle qui me brûlait les lèvres, c'était de lui demander s'il pensait vraiment qu'au pays de Babillard, au pays de la Shoah par balle, un juif descendant d'une famille décimée par la Shoah, puisque 6 de ses grands-oncles ont été décimés dans les camps d'extermination, pouvait être élu président de la République. Et je n'oublierai jamais son éclat de rire magnifique et enroué pour me répondre qu'à sa connaissance, il y avait peu probablement désormais à cause du travail qu'elle a fait sur elle-même, à cause de la mémoire qu'elle a mis en branle, il y avait probablement moins qu'il restait des antisémites en Ukraine, bien sûr, comme partout, et comme il en restera toujours, mais qu'il y en avait peut-être moins en Ukraine qu'en France, et certainement moins, m'avait-il dit ce jour-là, qu'en Russie. Et en effet, il n'avait pas tort, puisque quelques semaines plus tard, ce juif assumé, qui n'a jamais fait mystère de son ascendance, a été élu triomphalement président de la République d'Ukraine et s'est trouvé conduit à assumer ce terrible et magnifique destin qui est aujourd'hui le sien. Je voudrais, avant de donner la parole à prochain intervenant, j'adorerais que vous disiez un mot, monsieur le ministre, si vous le voulez bien. Je voudrais vous montrer que nous voyons encore un témoignage. Je voulais annoncer tout à l'heure le témoignage de Svetlana Tikhanovskaya,
une autre grande dame que j'ai rencontrée à Vilnius le lendemain de sa fuite de Biélorussie. Cette femme qui a vécu cette histoire tout de même incroyable, puisque, comme vous le savez, c'est son mari, c'était l'amour de sa vie, son mari, qui était candidat contre Loukachenko. C'est lui qui livrait la bataille de la présidentielle biélorusse. C'est lui qui était en tête des sondages. C'est lui qui provoquait Loukachenko dans tous les meetings dans lesquels il se produisait. Il avait une habitude, c'est qu'il avait une chaîne YouTube qui était la plus populaire de l'espace russophone, où il interpellait Loukachenko, où il le dissolvait dans l'acide de son rire, car le mari de la dame que vous allez voir était lui aussi un immense comique, un voltairien, quelqu'un qui pense qu'il peut même faire rire les hommes de marbre. Et puis il a été mis en prison. Quelques jours avant l'élection, il a été arrêté par la police secrète de Loukachenko et emprisonné. Et sa jeune femme, professeure de langue, Svetlana Tikhanovskaya, a décidé de prendre le relais, de porter le flambeau. Et entre deux visites en prison, où elle allait porter des oranges dans les prisons biélorusses qui ne sont pas les prisons les plus confortables d'Occident, elle tenait meeting. Et elle battait campagne. Et elle a probablement gagné au terme d'élections dont les résultats ont été faussés, qui, selon tous les observateurs internationaux, sont en tout cas douteux. Elle a probablement gagné, en tout cas mis en très grand danger le président Loukachenko. Elle a été menacée dans son intégrité physique. Elle a dû quitter le pays. Elle s'est retrouvée à Vilnius et c'est de Vilnius qu'avec, en liaison avec d'autres femmes vaillantes, tout aussi vaillantes qu'elles, moins visibles et qui sont restées en Biélorussie, qu'elles mènent la résistance à Loukachenko. Donc, au valet de Vladimir Poutine. Hein, maître, voilà, on est dans Brèche, dans le gang des choux-fleurs. Dans le gang des choux-fleurs, il y a le maître Poutine et puis il y a le valet, le Biélorusse Loukachenko. Et vous avez donc son adversaire, Svetlana Tikhanovskaya, que je voudrais que l'on entende, et après je voudrais vraiment, Monsieur le Ministre, que vous acceptiez de nous dire quelques mots. Svetlana. Dear friends, I speak to you today with a heavy heart. We are again being put to the test, and we must once again stand up and say that we will not manipulate it. The invasion of Ukraine is both a gravely immoral and criminal act under international law. I urged mothers and fathers of Belarus to tell their sons that the right thing to do in this case is not to report for duty. To the brave people of Ukraine, I wish to say, Lukashenko and his regime are not Belarus. Dear Ukrainians, the good people of Belarus are with you. Despite the fear, in the last days, tens of thousands of people across Belarus have protested against the war. Hundreds were detained. Dear Frenchmen, dear Europeans, I do not have an optimistic note to end this speech. The only optimism I can muster right now is that maybe, possibly, perhaps, for once we will not repeat the mistakes of our past. And we will not let aggression gain momentum because good people didn't do enough. Enough sanctions, enough isolation of the dictators, enough support to the democracy. The power to stop this gathering evil is in our hands. We only have to use it. Слава Україні! Живе Білорусь! Viva la France! Long live Europe! Il y a un mérite tout de même qu'on ne peut pas ne pas reconnaître à ces dictateurs de carton granité, c'est qu'ils engendrent à leur insu et contre leur gré des personnages de cette trempe. Poutine, Loukachenko, ces dictateurs crétinisés, ces mauvais stratèges, ces mauvais joueurs d'échecs, ils engendrent Vladimir Zelensky et ils engendrent Svetlana Tikhanovskaya, ces personnages magnifiques qui, encore une fois, je crois, incarnent le meilleur de ce que nous avons coutume de nommer les valeurs de l'Europe.
Monsieur le ministre, je ne suis pas mécontent qu'il y ait finalement deux représentants, même si ce n'était pas prévu, qu'il y ait deux porte-paroles du non-candidat Emmanuel Macron. Merci Bernard. Merci surtout à vous tous d'être là. Ma parole n'a rien d'officiel, justement, et je n'avais pas prévu de parler, mais je suis heureux d'être parmi vous, heureux de saluer l'esprit d'une réunion comme celle-là. C'est tellement important, ça a été dit, on peut se sentir impuissant, en effet, mais mettons-nous à la place d'un Ukrainien qui sait qu'à Paris, on se mobilise. C'est essentiel, comme dans toutes les villes d'Europe, comme dans toutes les villes du monde. Donc, ce que vous faites là aujourd'hui, c'est absolument essentiel, et c'est ça que je suis venu saluer. C'est ce que j'essaye de faire aussi, comme je peux, à l'Assemblée nationale dans une heure, et comme nous devons le faire au cours des prochains jours, des prochaines semaines, de façon à montrer que le monde n'est pas indifférent à ce qui se passe, et que ce qui se joue là est essentiel. À chaque fois qu'il y a un moment historique comme celui-là, et nous sommes dans un moment historique, il y a évidemment quelque chose de profondément tragique et négatif qui arrive, et ça dépend de nous d'en faire quelque chose qui lutte contre la tragédie, qui lutte contre le négatif, qui lutte contre les forces de mort qui sont là. C'est les forces de vie contre les forces de mort qui se jouent dans ces moments-là. Et ça réveille trois choses sur lesquelles je voudrais insister ce soir très rapidement, puisque c'est dans les trois domaines qui me touchent. Le premier, c'est le droit. Là, clairement, il y a la violation du droit international de manière brutale, évidente, et c'est tellement évident que d'ailleurs le monde entier se soulève. Il y a très peu d'États pour être avec la Russie, tout simplement parce que le droit est violé. C'est l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. L'évidence du droit est violée. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est le renforcement du droit, parce que la Russie est en train de se trouver toute seule, précisément parce qu'elle a violé le droit. Et le droit n'est pas une quantité négligeable. Le droit international, si on ne le respecte pas, eh bien on se met dans des situations pareilles. Le droit doit sortir renforcé de la mésaventure qui est en train d'arriver. Deuxième chose, ça a été dit, et je le soulignerai simplement, l'Europe. L'Europe peut et est en train, je crois, de se renforcer par ce qui est en train de se passer. Évidemment, il faut qu'on travaille tous pour qu'il en soit réellement ainsi. Mais le sentiment européen doit sortir renforcé par ce qui est en train de se passer, par la mobilisation européenne, mais aussi par les prises de conscience. Je regarde et j'observe avec intérêt ce qui se dit en Allemagne en ce moment. Je crois qu'il y a plusieurs crans qui sont franchis. On le sait, le président de la République l'a dit très fréquemment, on a besoin d'une défense européenne. La crise sanitaire, comme cette crise de sécurité internationale, nous montre à quel point, que ce soit sur le plan industriel ou sur le plan de la défense, ou même sur le plan de l'agriculture, voyons comment cette crise va générer, malheureusement, peut-être, des famines cet été. Je pense à toute la partie nord de l'Afrique, qui est alimentée par l'Ukraine et par la Russie, d'ailleurs, en blé, en céréales. Autant de conséquences géopolitiques, mais aussi humaines, qui vont arriver. L'Europe doit avoir une pleine conscience de cela, agir pour cela, et agir pour la souveraineté européenne, c'est-à-dire pour la capacité d'Europe à agir en fonction de nos valeurs, qui sont les valeurs d'Europe fondamentales, c'est-à-dire tout simplement l'humanisme et la lutte contre la guerre, donc la lutte pour la paix. Ce sont des choses très simples, mais l'Europe doit sortir renforcée avec des idées claires. Tous les habitants d'Europe, tous les citoyens d'Europe doivent se sentir plus que jamais européens, et je crois que c'est le cas, et ça fait partie des choses que l'on voit. Et puis, troisième chose sur laquelle je voudrais insister, parce qu'ils doivent être au centre de notre attention, ils sont parfois oubliés quand cela arrive, et il fallait les avoir au centre de notre attention dans la crise épidémique et maintenant dans cette crise, c'est tout simplement les enfants. Les enfants sont les premières victimes des guerres. C'est déjà ce qui a commencé en Ukraine dans les premiers jours. On ne doit pas l'oublier. Des enfants vont arriver très certainement en Europe et en France comme enfants de réfugiés. Évidemment, c'est mon rôle comme ministre de l'Éducation nationale de préparer cela, de faire en sorte que cela se passe au mieux. Mais nous devons penser à eux dans chaque aspect de cette guerre, sur les conséquences en France aussi. Les enfants de France, qui évidemment entendre parler de cela et qui aujourd'hui en classe demandent ce qu'il en est. C'est pour ça qu'on a développé des ressources pour expliquer ce qu'il en est. Et donc, ayons sur ce sujet comme sur les autres, les enfants à l'esprit, au centre de ce que nous devons faire, puisque quand on parle de la paix, on parle évidemment d'abord du monde que nous allons laisser à nos enfants. Et sur ce sujet-là, c'est essentiel. Le droit, l'Europe, les enfants, cette crise ukrainienne doit nous aider tout simplement à brandir nos valeurs face à ce qui est inacceptable. Et si vous êtes là ce soir, c'est que justement vous refusez l'inacceptable. Et si on est des millions à refuser l'inacceptable, eh bien l'inacceptable reculera. Merci.
les enfants, en effet, monsieur le ministre. Et un autre mot que je n'ai pas suffisamment prononcé, et j'ai eu tort, parce que je sais la force qu'il a chez celles et ceux qui nous écoutent là-bas, à Kiev ou à Kharkov, c'est le mot de culture. L'Ukraine est aussi un pays, comme la Russie d'ailleurs, d'immense culture, avec de grands écrivains, avec de grands penseurs, avec de grands cinéastes. Et il y a d'ailleurs quelques années, sous l'impulsion, je dois le dire, de deux camarades de notre revue de la règle du jeu, Galia Ackerman, qui va prendre la parole tout à l'heure, et Constantin Sigov, grand professeur ukrainien, grand ami de la France, grand ami de la langue française, de la meilleure et de la plus belle des langues françaises, on a fait un numéro spécial sur la culture ukrainienne, sur ses romanciers, sur ses cinéastes, sur ses poètes. Et je me rappelle qu'à l'époque, l'argument de Galia Ackerman, de Constantin Sigov, de la patronne de notre rédaction, Maria de França, était de dire, mais au fond, si on est tellement est-ce qu'on serait aussi indifférent à ce qui se passe, les massacres du Maïdan sous les coups de feu des miliciens, si ça se passait en Italie, ou si ça se passait en Espagne, si ça se passait chez le Titien, ou si ça se passait chez Cervantes? Est-ce que nous ne souffrons pas, est-ce que l'Ukraine ne souffre pas, à nos yeux d'ignorants, d'un déficit d'âme et de culture qu'elle a, elle, mais dont nous ne sommes pas suffisamment conscients? C'est la raison pour laquelle j'ai invité ce soir, d'ailleurs, un certain nombre d'écrivains qui sont, je crois, parmi les écrivains considérables d'aujourd'hui en France, les écrivains français. Ils sont là, Simon, Frédéric, d'autres, Pascal, à qui je vais donner la parole tout de suite parce que je crois qu'il va accompagner. Il fait partie du deuxième. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais aussi, j'ai demandé il y a quelques jours et j'ai eu l'immense surprise de le recevoir hier soir. Je ne sais pas si on peut le passer parce qu'il y avait un conducteur, je ne sais pas comment ça marche. J'ai demandé à David Lynch, qui fait partie des Américains indignés de voir leur pays baisser le drapeau de ses valeurs et de ses principes, renoncer à son devoir de solidarité avec ses sœurs et frères en démocratie. Je lui ai demandé donc à David Lynch, nous lui avons demandé, à la règle du jeu, un message de solidarité. Et il nous a envoyé cette vidéo, très longue d'ailleurs, mais vous la verrez sur le site de la revue et sur nos réseaux sociaux. Là, on l'a écourtée pour le besoin de la soirée parce qu'il y a encore de nombreuses prises de parole. Mais vous allez en tout cas en avoir un extrait. Donc, Monsieur David Lynch, au secours de l'Ukraine. Mr. President Putin, there is a law of nature, a hard and fast law. There's no loopholes. There's no escaping it. And this law is what you sow, you shall reap. And right now, Mr. Putin, you are reaping, you are sowing death and destruction. And it's all on you. The Ukrainians didn't attack your country. You went in and attacked their country. My advice to you is save yourself. Save the Ukrainians. Save this world. Start getting along with your neighbors. Start building friendships. Let's get real. Everyone, have a great day. Eh bien, j'aime bien ça. Et je me reproche d'ailleurs peut-être parfois de ne pas parler comme ça. Il a raison. C'est peut-être aussi simple que ça. Voilà, je voudrais
passer la parole à mon camarade Pascal Bruckner. Nous avons mené tant de combats ensemble. On s'est trouvé dans des tribunes de cette sorte si souvent, à l'époque de la Bosnie, à l'époque où personne ne voulait ouvrir les yeux sur le génocide du Rwanda, à l'époque où nous faisions partie de ceux qui ne comprenaient pas, avant la chute du mur de Berlin et après, pourquoi nous n'étions pas plus nombreux à tendre une main fraternelle à nos amis démocrates des pays sous la botte totalitaire. On nous a accusés, mon cher Pascal Bruckner, vous et moi et quelques autres, on nous accusait d'être des interventionnistes, alors qu'en vérité, la chose pour laquelle je crois nous plaidons depuis bien trop longtemps, c'est la fraternité, c'est la main tendue, c'est les chaînes humaines de l'espoir entre ceux qui ont la chance de vivre sous le soleil de la démocratie et ceux qui y aspirent mais ne l'ont pas encore. Donc je suis vraiment heureux une nouvelle fois, cher Pascal, que nos chemins se croisent et que vous soyez là aujourd'hui. Pascal, je vous passe la parole. Ensuite, je passerai la parole, mais j'espère qu'il est arrivé, je ne le vois pas, à mon vieil ami Marc Lambron, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'Académie française. Ah ben, il est là. J'ai même dit de l'Académie française. Vous voyez, comme il se doit. Voilà. Pascal. Merci, mon cher Bernard, mes chers amis. Je suis très ému et très fier d'être là, en tant que petit goy. Nul n'est parfait. Comme intellectuel, comme écrivain, que pouvons-nous faire pour l'Ukraine en dehors d'une expression émotionnelle de notre solidarité? Eh bien, je crois très simplement crever quelques mensonges qui sont diffusés aujourd'hui à la télévision et dans les médias. Il en est un qui me tient particulièrement à cœur parce que je le trouve assez dégoûtant. C'est celui selon lequel, colporté par d'anciens diplomates, selon lequel Poutine serait une création de l'Ouest. Nous aurions en quelque sorte façonné notre golem monstrueux qui nous reviendrait au visage. Or, cette idée-là, nous l'avons déjà entendue mille fois à propos de Daesh, à propos d'Al-Qaïda, à propos de l'islam radical. Tout serait toujours la faute de l'Occident qui a affaire à des partenaires extrêmement susceptibles et qui, au moindre froncement de sourcils, déciderait de prendre les armes et de nous égorger. Or, cette idée-là, elle est fausse. Pour comprendre Poutine, il faut repenser aux petits kagibistes qui, en 1989, à Leipzig, voient les Allemands de l'Est hurler leur haine du communisme et des Russes. C'est un traumatisme primitif dont il ne s'est jamais remis. Le prince Otto de Habsbourg, qui a rencontré Poutine à la fin des années 90, a dit très lucidement combien il était frappé par la détermination et la rancune de cet homme, de cet ancien agent des services de renseignement, mal noté par ses supérieurs, et qui, au fond, rêve depuis à peu près 22 ans de prendre sa revanche sur l'Occident. Et sur Poutine, il y a un très bon livre que je vous recommande, Dans la tête de Vladimir Poutine, de Michel Etcheninov, qui est russophone. Et depuis cette époque, Poutine s'en tient à une doctrine très stricte. Il est, lui, la véritable incarnation de l'Occident. Nous sommes, nous, Européens, des Occidentaux décadents, athées, qui avons donné des droits aux LGBT et qui nous vanterons dans les délices de la paix et du consumérisme. Et toute sa théorie, depuis cette époque-là, consiste à vouloir faire payer très cher à l'Europe la destruction de l'Empire soviétique, dont je rappelle qu'il l'a qualifié de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et donc, notre tort, ça n'est pas d'avoir créé Poutine, cette idée est absurde, elle est aberrante, pas plus que l'Europe n'a créé Hitler, notre tort, c'est de ne pas l'avoir pris au sérieux. Ceux qui ont lu ses discours, ceux qui ont lu ses articles, on peut constater que Poutine a toujours dit ce qu'il allait faire et a toujours fait ce qu'il a dit. Ce qui d'ailleurs est un motif de grande inquiétude au moment où il nous menace de ses armes nucléaires. Il faut prendre ses ennemis au sérieux et nous n'avons pas le bonheur de pouvoir les choisir. C'est eux qui nous désignent et c'est eux qui nous disent qu'ils nous détestent, quoique nous protestions de notre amitié.
Et donc nous avons eu tort, tout simplement, de ne pas considérer Poutine comme un homme qui envisageait tout à fait d'abord de reconquérir ses anciennes colonies, puis ensuite de détruire l'ordre européen. Mais nous l'avons considéré, comme on a considéré Hitler dans les années 30, comme une sorte de fantaisiste un peu bourru, un paranoïaque de mauvaise humeur, qui lançait parfois des phrases véritablement paniquantes. Je rappelle que depuis 20 ans, dans le cercle des amis de Poutine, on explique que les armes nucléaires russes vont désintégrer Paris, Berlin, Varsovie, Londres, et il y a quelques jours, un général russe a expliqué qu'ils allaient réduire les États-Unis en cendres. Moi, quand on me dit ça, je ne prends pas ça pour une manifestation de folie, je prends ça pour un programme politique et militaire qui me fait extrêmement peur. Et donc, il faut lire Poutine pour comprendre ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui en Ukraine. La deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que les Russes sont experts dans l'art de l'inversion victimaire. Et, mon cher Bernard, nous avons déjà connu ça dans les années 80-90 avec les Serbes. Les Serbes se présentaient dans l'ex-Yougoslavie comme le peuple martyr, menacé d'extermination par les oustachis croates, par les oustachis bosniaques et par les kosovars. Et donc, au nom de cette peur de l'extermination, ils s'accordaient le droit de raser les villes de Croatie et de Bosnie, de mettre les kosovars sous leurs bottes et de se permettre des massacres de masse comme Srebrenica. Poutine est du même ordre, donc il a envahi l'Ukraine en expliquant que l'Ukraine allait envahir la Russie et qu'il allait dénazifier l'Ukraine, alors qu'effectivement, plus le temps passe, plus Poutine ressemble à un Hitler slave, mais un Hitler avachi qui humilie ses subordonnés et qui envisage froidement de vitrifier l'Ukraine, bien entendu, mais aussi la Pologne, mais aussi les Pays-Baltes, et finalement, pourquoi pas le reste de l'Europe, dont le crime principal, je le rappelle, c'est tout simplement d'exister. Alors, dans cette guerre qui a commencé il y a 6 jours, il y a une divine surprise. Je le dis vraiment en tant qu'Européen un peu sceptique, c'est la réaction de l'Europe, la réaction du président Macron, mais aussi des autres dirigeants, est tout à fait étonnante. Et là, je crois que la brutalité de l'intervention a vraiment réveillé nos différents présidents, y compris la Commission de Bruxelles. La rapidité des réactions, le fait que nous soyons en train d'étrangler l'économie russe est un miracle que j'attribue évidemment au courage des Ukrainiens et au courage du président Zelensky. Même l'Allemagne, cette grande nation repue qui a choisi la neutralité après un passé militariste que nous connaissons tous, même l'Allemagne qui était prête à s'étrangler dans des accords gaziers, et ça me rappelle la phrase de Lénine, « Nous vendrons aux capitalistes la corde pour les pendre » et les accords gaziers noués par Angela Merkel avec Poutine étaient de cet ordre. Même l'Allemagne a fait machine arrière, a récusé Nord Stream 2 et a décidé de livrer des armes à l'Ukraine. Et là, je dis, c'est un miracle. Je ne parle pas, évidemment... Autre miracle, la Suisse. La Suisse, vous vous rendez compte, le pays de la neutralité. Dont le président avait noué des liens d'amitié avec Poutine lors de différentes rencontres. La Suisse, face à l'indignation de son opinion publique et de l'opinion européenne, a décidé de rompre avec la Russie et de ne pas abriter les comptes secrets des oligarques. Alors, il y a aussi d'autres surprises, d'autres très mauvaises surprises. La première, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du meeting que Kadyrov, le tueur de Poutine, a tenu devant ses milices. Aujourd'hui, je crois que c'était à Grozny. Il a dit « Nous allons maintenir la paix en Ukraine, dans les différentes villes. » Et 10 000 voix ont répondu « Allah ou Akbar ». Alors là, je dois dire que ça m'a quand même fait frissonner. Et je voudrais savoir comment certains candidats à l'élection présidentielle en France, qui vomissent l'islam du matin au soir, vont pouvoir nous expliquer cette conjonction tout à fait terrifiante du panslavisme et de l'islamisme.
Et puis, dernière surprise, mais là, qui ne m'étonne pas, le tweet de Tariq Ramadan, je crois aujourd'hui ou hier, expliquant qu'il condamnait Zelensky, un sale sioniste qui méritait d'être corrigé par l'envahisseur russe. Oui, chacun est conforme à sa logique. Et je dois dire aussi, autre surprise, l'attitude de la Turquie, tueuse d'Arméniens, tueuse de Kurdes, pourvoyeuse d'armes à Daesh et Al-Qaïda, qui a décidé, contre toute attente, de soutenir Zelensky, de fermer le détroit du Bosphore et d'envoyer des drones à l'armée ukrainienne. Et donc ça, c'est les mystères de la géopolitique qui doivent nous inciter à respecter la complexité. Et je dirais même qu'une diplomatie ingénieuse aujourd'hui, plutôt que de désigner la Chine du doigt, irait à Pékin demander aux Chinois de se détacher de leur alliance avec la Russie et pourquoi pas de récupérer les territoires volés à la Chine au XIXe siècle par les tsars. Ce serait pour eux une très belle démarche qui leur permettrait de mettre leur population trop nombreuse dans des espaces vides. C'est une suggestion. On peut aussi rêver, dans le domaine des surprises, d'une fin de Poutine à la Beria. Vous savez que quand Staline est mort, Beria a connu une fin plus glorieuse entre les mains de Khrouchtchev. Mais il ne faut pas rêver. Je pense que Poutine a prévu tous les aléas et que sa neutralisation par des gens de son état-major n'est pas pour demain. D'un mot, ce que les Ukrainiens nous apprennent, c'est que le contraire de la paix, ça n'est pas la guerre, c'est la servitude, c'est la merveilleuse leçon de Kiev, de Kharkiv et de Mariupol aujourd'hui. Merci. Merci, cher Pascal, merci. Avant de donner la parole, malheureusement le temps passe, on doit libérer la salle. J'ai donné ma parole à 8h01. Avant de donner la parole à Marc Lombron, à Sylvain Faure, j'espère qu'il est encore là, à Simon Liberati, à Frédéric Becbédé, je voudrais que nous écoutions le très bref témoignage de Marina Abramović, qui a pris la peine de l'enregistrer, qui est l'une des personnes, une artiste donc, qui est l'une des personnes en Europe qui connaît le mieux cette littérature ukrainienne dont je parlais, l'avant-garde ukrainienne cinématographique à Odessa du temps de la Neppe, la poésie de Kiev, et ainsi de suite. Je donne la parole, donc, si vous l'avez sous le doigt, voilà, à Marina Abramović. Et il y a Frédéric Mitterrand qui est là et à qui je voudrais également, je voudrais absolument qu'il dise un mot. Marina. A country which thrived on the cultures from the West and Russia from the East. Last years I work in Ukraine and I get to know the people there. They're proud, they're strong, and they're dignified. I have a full solidarity with them in this impossible day. Attack to Ukraine is attack to all of us, is attack to humanity, and have to be stopped. Merci Marina Abramović. Frédéric, un mot. Oui, monte. Je viens d'apprendre que nous avons déjà perdu deux ministres qui avaient des engagements qui ont dû partir. On ne va pas perdre le troisième. Donc la parole est à toi. Alors moi, j'en ai pour une seconde. Il se dit des choses très belles, très fortes. On évoque des souvenirs très émouvants et très porteurs durant cette soirée. Mais moi, je me pose trois questions. La première, c'est pourquoi Gerhard Schröder, ancien chancelier d'Allemagne, est encore à Moscou ? Ancien chancelier d'Allemagne, SPD socialiste. Deuxième question. Pourquoi est-ce que Total refuse de répondre aux questions que l'on pose à la société qui a engrangé des bénéfices gigantesques? Et pourquoi est-ce que M. Pouyanné refuse lui aussi de répondre aux questions qu'on lui pose concernant l'importance de ses affaires
en Russie. Troisième question. Va-t-on accepter que la Serbie, qui tape à la porte de l'Union européenne, ait une attitude aussi ambiguë, pour ne pas dire coupable, à l'égard de ce qui se passe? Si vous voulez rentrer dans notre club, monsieur, acceptez-en les règles et non pas le contraire. D'autant plus que, excité par l'exemple russe d'aujourd'hui, les acolytes serbes du pouvoir serbe sont en train de préparer une nouvelle guerre en Bosnie qui va se déclencher rapidement à l'image de ce qui se passe en Ukraine. Dernière chose, puisqu'on se rapproche de l'été et puisqu'il serait temps quand même de saisir certains avoirs russes obtenus par le ruissellement de l'argent mal gagné en Russie, saisissons les merveilleux yachts qui se trouvent sur la Côte d'Azur. Ben voilà. Marc Lombron, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre? On ne va pas pouvoir malheureusement diffuser tous les témoignages magnifiques. Ça me brise le cœur. Mais vous les retrouverez sur le site de la Règle du Jeu et sur mes comptes Instagram et autres Twitter dès ce soir ou dès demain. Marc, à vous. Bernard, merci. Bon, je ne suis pas un orateur et je suis un laborieux. Donc, par exception ou par variation, si vous le permettez, je vais lire un texte que j'avais préparé, une page, trois points, je serai bref. Premier point, il me semble que toute guerre pose la question du temps psychique dans lequel elle se déroule. Vladimir Poutine nous place à cet égard devant un vertige mémoriel. Si j'abordais le personnage en romancier, je me focaliserais sur cette récente réunion télédiffusée où il apparaissait entouré de ses ministres terrifiés en préambule à une offensive annoncée. Le pouvoir s'y manifeste d'abord dans l'apparat d'un grand salon du Kremlin orné selon les apanages du mauvais goût, ce que Vladimir Nabokov appelait le « pochlost », autrement dit, le kitsch. Une impression de déréalisation en émane. On croirait voir un Néron d'époque James Bond distillé devant un aréopage pétrifié, ses paroles gelées qu'imaginait Rabelais dans le carlivre de son Pantagruel. C'est comme une glaciation ubuesque qui pose la question pyrandélienne du roi fou. Lâchant d'un ton monocorde des incantations prénucléaires, Poutine semble marabouté par le passé. Son temps psychique s'énonce selon des canons révolus. On dirait qu'un logiciel brejnevien a été greffé sur un droïde botoxé. Or, la biographie de Poutine nous apprend une chose bien intéressante. C'est qu'à l'âge de 16 ans, il tenta d'entrer au KGB qui le fit un peu attendre. Et comme il est né en 1952, nous étions en 1968. Autrement dit, quand un élan libertaire balayait une partie de la planète, le jeune Poutine regardait le monde depuis les tourelles des chars soviétiques entrant dans Prague. Je pense qu'il se tient toujours dans cette tourelle, son esprit baignant dans un passé qui fut celui des glacis de l'Empire, de la doctrine Brejnev et de la théorie de la souveraineté limitée. Mon hypothèse est que nous avons affaire avec cet Anschluss slave à l'extraversion belliqueuse d'un psychisme ossifié qui piétine tous les printemps de la liberté de mai 68 à mars 2022. C'est une guerre de saison, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'hiver contre le printemps. Point 2. Les hivers d'antan peuvent porter au déphasage perceptif.
Un cerveau reptilien, fut-il armé de 6000 ogives nucléaires, n'est pas forcément bon prévisionniste. Poutine a commis au moins 4 erreurs d'anticipation sur la résistance du peuple ukrainien, sur la faculté de Zelensky à se transformer en Churchill Rutten, sur la réactivité mondiale des démocraties, voire sur une éventuelle sédition interne, car il est possible qu'en attaquant Kiev, il fabrique des Navalny. Je suis pour ma part sensible en ce moment, très sensible, aux témoignages des Ukrainiens diffusés par les télévisions. Nombre d'entre eux parlent un français, un très beau français, exempt d'anglicisme, faisant écho à celui dans lequel Voltaire écrivait à Catherine II de Russie. Dernier point, Voltaire et Catherine II de Russie, c'est l'Europe. Comme vous le savez, l'Europe, c'est une nymphe. C'est une nymphe antique qui était née sur les rivages de la Phénicie, mais aujourd'hui, elle a enfilé une doudoune pour arriver à Kiev. Il y a des villes martyrs, un urbicide a réveillé un continent, une ministre écologiste allemande préconise de livrer des Stingers aux soldats de la liberté. C'est un nouveau monde. Au-delà d'une désuète politique des blocs, le retour de la guerre européenne nous interroge en effet sur la réémergence d'une Atlantide, l'Atlantide des empires. Les 2500 ans de l'Empire chinois avec Xi Jinping, l'Empire des Tsars avec Poutine, l'Empire perse des Mollahs, l'Empire ottoman d'Erdogan, qui sont tous des autocrates. Les Ukrainiens, quant à eux, tournent le dos à la barbarie. Ils entrent dans l'Europe polonaise par les routes et dans l'Europe de l'esprit par l'honneur. Puisse cet esprit préluder à des renaissances en opposant au crépuscule annoncé toutes les aubes de l'espoir. Merci. Eh ben c'est tout. C'est bien d'entendre les écrivains. C'est bien d'entendre les écrivains. Je voudrais... Frédéric Becbédé. Frédéric. Il y a quelques jours, je vous connais depuis moins longtemps que Patti Smith. Tant mieux pour vous. Mais il y a quelques jours, ce jeune homme m'a envoyé un message. Galia, oui, venez. Il m'a envoyé un message en me disant « On part quand ?» Et je lui ai répondu « Venez au Théâtre Antoine ». Quelques mots, parce qu'en effet, on va pas y arriver. Mais quelques mots, cher Frédéric. Oui, je ne suis pas un héros. Comme dit, ça m'embête beaucoup de citer Daniel Balavoine, mais enfin bon. Non, si jamais on part se battre pour Kiev, j'ai 56 ans, je suis diabétique, donc j'ai une espérance de vie de à peu près 7 secondes. Donc je crois que quand on est écrivain, je ne suis pas non plus un spécialiste de géopolitique, ce que je peux faire, c'est penser aux écrivains ukrainiens, et notamment à Andrei Kourkov, l'auteur du Pingouin, qui vient de publier un roman traduit en français, Les abeilles grises, que je vous recommande parce que ça se passe précisément dans cette guerre qui ne date pas de la semaine dernière. Et ça se passe dans le Donbass. Il y a deux hommes qui sont des ennemis d'enfance, qui regardent passer les obus dans la neige. Et c'est un livre très fin, très drôle, justement parce que peut-être le secret de la littérature ukrainienne, mais aussi de la littérature russe, c'est ce mélange d'humour noir et de fatalisme, de pessimisme et de romantisme. Je pense que c'est les écrivains russes peut-être qui devraient prendre le pouvoir. J'avais préparé un truc un peu déconnant, mais je ne sais pas si c'est tout à fait l'endroit. Mais non, c'est quand même des spécialistes. Et n'oublions pas que Gogol est un écrivain ukrainien qui écrivait en russe, mais c'est un spécialiste de la satire. Donc, je peux peut-être tenter un petit truc quand même. Bon, un tout petit truc. Non, vous inquiétez pas. Bon, je voudrais m'adresser à mes amis oligarques russes. Chers Vitali, Mikhail, Roman, Oleg, Sergueï, Dmitri, vous avez installé Poutine au pouvoir
Il est temps de le débrancher. Party is good. War is not good. On s'est bien amusé ensemble parfois dans vos datchas. Mais on n'envahit pas un pays voisin avec des chars. C'est démodé. C'est terriblement 20e siècle. Dépêchez-vous de virer Poutine ou bien on va vous pourrir la vie. Comme disait Frédéric Mitterrand, vous ne pourrez plus aller chez Sénéquier, au Biblos ou au Noto à Saint-Tropez. Vos chalets à Megève et Courchevel seront transformés en EHPAD. Vos villas à Biarritz ont été taguées avant-hier. Oui, bientôt elles seront squattées par des indépendantistes basques qui feront du fromage de brebis dans vos salons. Vos Rolls, vos Bentley auront les pneus crevés. Vos jets privés ne peuvent déjà plus circuler. C'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire. Vous savez qui c'est ? Ben vous peut-être, mais les oligarques russes, je ne sais pas. Bruno Le Maire, c'est le héros du dernier Welbeck. Franchement, vous venez de perdre 150 milliards en 4 jours. Tout ça pourquoi ? Pour récupérer Sébastopol ? Mais qui a envie de passer l'été sur la mer Noire ? Vous aviez des palais au Cap d'Antibes ou dans les parcs de Saint-Tropez. Et vous allez perdre tout ça pour vous baigner à Casantippe, alors qu'il n'y a même plus le festival électro là-bas, depuis 2014. Non, débarrassez-vous de ce type, de ce fantoche que vous avez installé. Créez une démocratie dans votre pays. Libérez Navalny. Ayez le courage d'avoir des vraies élections dans ce pays. C'est votre faute maintenant. Et au peuple russe, on ne vous demande pas de manifester parce qu'on sait que vous allez être arrêté, torturé et emprisonné. Mais vous pouvez résister passivement. Vous pouvez résister en n'allant plus au boulot. Dites que vous avez le Covid. La résistance passive, c'est efficace. Ça a été démontré. La révolution de velours, même la révolution de Maïdan. Et si les Russes ont un exemple quand même, c'est qu'ils s'y connaissent en révolution. Merci. Une déconnade comme ça, Frédéric, c'est magnifique. J'ai pris le texte parce que je le garde et qu'on le publie dans la règle du jeu. Ça n'ira pas dans vos journaux habituels. C'est pour la règle du jeu, c'est magnifique. Merci infiniment. Simon Liberati, la parole est à vous. Est-ce que Sylvain Faure est là ? Je ne l'ai pas vu. Ah, bah oui, vous êtes là. Voilà. Donc Sylvain Faure, Benjamin Haddad qui est là et Patrick Klugman qui est ici. Et puis voilà, et puis malheureusement, tous les autres sont partis ou vont partir furieux, on sera fâchés. Simon. Qui ? Je vais aller très vite, de toute façon. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en public sur des affaires politiques. Bernard-Henri Lévy est un grand magicien. Il a réussi à me retourner. Il m'a retourné grâce à Zelensky, parce que c'est vrai que son geste est magnifique, de refuser un taxi et de vouloir des munitions. C'est une parole digne de Plutarque. Donc ça m'a retourné, parce que je n'ai pas toujours été d'accord avec vous. Et j'ai été très touché par cette attitude qui m'a bouleversé. Donc je soutiens les Ukrainiens. Et je pense qu'après avoir écrit, je vous ai découvert avec la barbarie à visage humain. Je pense qu'il y a peut-être le libéralisme à visage inhumain à écrire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nous le publierons quand même. Comme j'aime entendre les écrivains, je voudrais que Sylvain Faure vienne à son tour. Avant de donner la parole, s'ils veulent bien s'approcher, parce que là, on va commencer à être viré Manu Militari. Avant de donner la parole à Benjamin Haddad et à Patrick Luhmann. Et à Galia Ackermann, avant, peut-être, si elle est encore là. Est-ce que Galia est encore là ? Sylvain, merci. Bernard-Henri, merci. Et en fait, je voudrais remercier surtout ce soir tous nos amis ukrainiens. Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous avez fait en une semaine, à nous, Français. Il y a 10 jours, 20 jours, un mois, on sortait péniblement d'une pandémie qui nous avait désunis, qui nous avait fatigués, qui nous avait rendus ennemis de toutes les règles ou amis de trop de règles.
on s'orientait vers une campagne présidentielle dont on disait qu'elle allait connaître un taux record d'abstention. La fatigue démocratique était immense. Nous étions fatigués. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes pleins d'énergie. Vous nous avez sauvés. Vous avez rendu à notre pays tous les jours, sur tous les plateaux de télévision, dans les écoles, dans les théâtres, celui-ci en est la preuve, dans les journaux. Vous nous avez rendu la foi en ce qui nous fait, c'est-à-dire notre foi démocratique. Vous nous avez fait comprendre en une semaine, par votre courage, par la détermination de votre peuple, par quelques phrases historiques qui sont sorties de la bouche de vos représentants comme on n'en avait jamais entendu depuis quasiment un demi-siècle. I don't need a ride, I need ammunition. Mr. Ambassador, pray for your salvation. Devant les Nations Unies, votre ambassadeur incroyable. Ou alors, ces soldats de l'île du Serpent, go fuck yourself, Russian warship. En face de ça, un tyran russe qui reçoit ses interlocuteurs à 20 mètres de distance et qui, en gros, n'a pas un seul mot à la bouche sauf « Nous allons vous écraser comme des merdes ». C'est ça, des phrases historiques. Vous nous avez rendu cette fierté de croire que la liberté à laquelle, finalement, nous étions peut-être trop habitués vaut qu'on se batte pour elle. Et oui, je le dis vraiment du fond du cœur, simplement comme citoyen français, vous nous avez réveillés et vous nous avez fait comprendre qu'il était temps de sortir de notre léthargie. Alors oui, l'Europe se réveille. L'Allemagne se réveille, ce qui est encore plus incroyable, presque encore plus incroyable que la Suisse. La France finit par comprendre qu'il y a un monde alentour et par placer l'Ukraine sur une carte, alors qu'elle n'avait pas beaucoup bougé, cette France, en tout cas sa population, lorsque vous souffriez déjà tellement de choses. Et moi, je n'ai pas oublié non plus que tout ce qu'a fait Dmitri Muratov, prix Nobel en 2021, la mort de Politkovskaya, ou encore Alep bombardé par l'armée russe, ne nous a pas fait bouger comme vous nous avez fait bouger depuis une semaine. Merci les Ukrainiens. Et j'ajoute une chose. Pardon, je ne veux pas être trop long, nous finissons cette réunion, mais vous avez vu ce que vous avez fait de nous à travers les orateurs successifs. Vous nous avez sauvés, c'est à nous maintenant de vous sauver parce que c'est la moindre des choses. Alors oui, nous allons vous sauver parce que nous voulons vous sauver, mais parce que vous nous sauvez de notre propre paresse. Et nous avons commencé par les sanctions, nous avons commencé par beaucoup d'initiatives politiques, mais je voudrais que nous continuions. Et évidemment, pour moi, il y a deux choses que nous devons faire maintenant. C'est ouvrir nos portes aux réfugiés qui viennent d'Ukraine et les ouvrir grand et les ouvrir sans condition. Nous devons faire cela. Et puis, si vous me le permettez, je voudrais avoir une pensée particulière pour tous ceux qui, aujourd'hui en Ukraine, certes, sont entrés en résistance, ont pris les armes. Christophe Castaner a parlé de ces députés. Mais il y a ces gens qui portent la voix et qui portent la plume. Et ces gens-là, vous le savez comme moi, sont les premiers sur la kill list de Poutine quand il entrera dans Kiev. Ce sont ces gens, parce qu'ils parlent et parce qu'ils se mobilisent et parce qu'ils mobilisent l'opinion publique internationale, qui seront les premiers sur la liste. Et vous l'avez déjà vu parce qu'il a déjà tué bien des journalistes, il a déjà tué bien des intellectuels, il a censuré bien des écrivains, Poutine. Il le fera avec les vôtres. Et je voudrais que la France, parce que c'est sa tradition, parce que c'est son génie et parce que c'est comme cela qu'elle a conquis aussi une partie des cœurs dans le monde, je voudrais que la France soit la nation des intellectuels et des artistes ukrainiens tant que cette guerre durera, qu'ils soient accueillis, mais plus que cela, puisque le ministre Blanquer en a parlé, je voudrais que dans nos manuels scolaires, dans nos écoles, dans nos universités, tous les jours, il soit question de ces voix dissidentes. Maintenant que les télés vont se taire, que les radios vont être détruites, il est temps que nous relayions partout en France, nous, la parole de vos dissidents, la parole de vos résistants. Un dernier mot. Je crois que les Français, maintenant, se rendent compte que Kiev n'est pas une ville lointaine. Kiev est le berceau de notre civilisation. Kiev va probablement subir un sort très dur dans les temps qui viennent. Je pense que nous en portons tous l'inquiétude. Il ne faut pas que Kiev devienne Grozny, même si c'est le rêve de Vladimir Poutine.
Je souhaite que tout soit fait, que nous nous mobilisions tous pour que Kiev devienne une ville ouverte qui protège ses civils et qui protège ce patrimoine dont la destruction, je vous le rappelle, est également un crime de guerre. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de minutes. Benjamin Haddad, senior fellow à l'Atlantic Council à Washington. Merci Bernard, merci à tous. Je voulais vraiment venir déjà, Bernard, pour vous remercier parce que je connais l'ancienneté de votre combat et la cohérence de votre combat pour l'Ukraine. Je voulais aussi vous remercier tous d'être là aujourd'hui parce que je crois qu'on n'a jamais vu un moment où la mobilisation des sociétés civiles, la mobilisation des opinions publiques a autant d'impact sur la façon dont les gouvernements réagissent. Les manifestations, les articles, les prises de position sur les réseaux sociaux. Et donc vraiment, chacun d'entre vous là, vous avez un rôle à jouer pour continuer à mobiliser nos gouvernements, pour continuer à réveiller l'esprit de l'Europe. Bernard, je vous ai rencontré en 2014 à Kiev, où on était ensemble pour soutenir le mouvement de Maïdan. Et j'ai jamais vu autant de drapeaux européens de ma vie. Et je me rappelle, c'était un moment, 2014, c'est pas une année anodine, c'est la première fois dans l'histoire en France où le Front National arrive en tête d'une élection, c'était une élection européenne. Et on avait à ce moment-là, à nos frontières, des jeunes qui, pour la première fois de l'histoire aussi, mouraient pour le drapeau européen, qui étaient ciblés pour le drapeau européen. Quand on nous dit récemment que c'est l'OTAN, etc., c'est de la propagande. L'Union européenne, c'était la perspective de la lutte contre la corruption, de la démocratie, d'un meilleur avenir pour ces jeunes qui nous donnaient une leçon de courage et d'inspiration européenne quand nous, on était devenus cyniques et on avait compris que l'esprit de l'Europe, il était à Kiev, il n'était pas dans les bureaux de Bruxelles. Bien, c'est pareil aujourd'hui. L'esprit de l'Europe, de ce combat, il est dans la figure de Zelensky, il est dans la figure de tous ces résistants aujourd'hui et il faut continuer à les soutenir. Alors, merci encore une fois de votre mobilisation. Ne vous faites pas intimider par la désinformation que l'on va entendre dans les prochaines semaines, de ceux qui vous disent qu'il ne faut pas sanctionner la Russie, qu'il ne faut pas armer les Ukrainiens parce qu'il faut soutenir la paix. Leur paix, la paix des Zemmour et des Le Pen, c'est la soumission et c'est l'écrasement du peuple ukrainien. Donnons les moyens aux Ukrainiens de se défendre. Réveillons l'Europe. Ce n'est qu'ainsi qu'un jour, on pourra avoir la paix. Merci beaucoup et merci de votre combat. Bravo. Bravo, je voudrais passer la parole à Samuel Lejoyeux et à Patrick Lugman. Samuel Lejoyeux qui est le jeune président de l'UEJF et Patrick Lugman qui, quand je regarde dans mon carnet, est encore marqué président de l'UEJF. Alors, lequel ? Le jeune d'abord. Et Patrick après. Merci beaucoup. Je ferai évidemment court pour dire au nom des étudiants juifs de France combien nous sommes à la fois solidaires et mobilisés pour l'Ukraine, évidemment. Je pense à tous les amis que j'ai en Ukraine, à Olga, chez qui je suis allé livrer hier des cartons de médicaments qu'on a récupérés avec des militants de l'UEJF, avec le concours du FSJU, et qui partent en Ukraine dès demain. Je pense à mes amis d'Odessa, qui nous ont accueillis à Odessa lors des universités d'été de l'UEJF il y a quelques années. Je pense à mes amis de Ravaruska, au maire de Ravaruska, avec qui nous avons posé une plaque pour les Juifs déportés depuis cette ville. L'Ukraine, ce n'est pas seulement l'Ukraine. Ils se battent pour eux, mais ils se battent également pour nous, pour une certaine vision du monde. Et c'est cette vision du monde-là que nous défendons. Et quand je vois certains, ceux qui nous expliquent que nous avons tous tort, les Zemmour, les Le Pen, les Mélenchon, tout cela qui vont nous expliquer que d'une certaine façon, il faut relativiser. Il faut relativiser la haine de Poutine. Nous refusons ça. Nous serons toujours face à ces nationalistes aux petits pieds. Alors, chère Olga, chère Victoria, présidente de l'Union des étudiants juifs d'Ukraine, chers amis de Ravaruska, chers amis d'Odessa, nous sommes là, pas seulement en discours, mais aussi en actes. Nous sommes des militants. Merci, merci Samuel. Patrick Lugman. Merci Bernard.
en quelques mots, car le temps presse ce soir ici et ailleurs, quelques mots. Notre fierté d'appartenance, d'abord à ce cercle ici, qui s'est réuni à chaque fois à votre appel, à chaque crise démocratique, à nos portes, en Europe et ailleurs. Bernard, le premier, vous sonnez le tocsin, la règle du jeu réunit les hommes qui ne désarment pas, les hommes de lettres, les hommes d'esprit, ceux qui à chaque fois se lèvent. Première fierté d'appartenance, parce que vous êtes toujours les premiers à nous mobiliser. Fierté d'appartenance de Parisiens, fierté d'appartenance de Français. Nous ne sentons pas ce soir nos désunions qui à chaque fois nous font que nous sommes moqués. La France est unie, elle est entendue. Les Parisiens sont unis, ils sont ici, ils sont dans la rue, ils sont place de la République. Nous sommes unis, fierté d'appartenance. Et je voudrais finir sur ces quelques mots, Bernard, qui vous sont si importants comme à moi. Ce président embunkerisé, comme vous le diriez, ce président résistant, ce président cerné, qui, dans son bunker, sur une feuille de papier simple, formule une demande d'adhésion à l'Union européenne. Eh bien, le projet que nous ne trouvons pas à notre espace, à notre continent, à cet endroit dans lequel nous vivons et qui existe, ce projet, il a été formulé par la feuille du président ukrainien. Ce projet, c'est l'Ukraine. Elle tape à notre porte. Nous pensons que c'est un appel de détresse et c'en est un. Mais la détresse de l'Ukraine, c'est le sauvetage de l'Europe. Si l'Europe existe, elle se dressera. Si l'Europe se dresse, Vladimir Poutine reculera. Car l'Europe est à ce jour et dans l'histoire de l'humanité le plus grand espace de liberté, de droit et de démocratie qui n'ait jamais été créé. Le président ukrainien tape à la porte de l'Europe, son adhésion est notre chance et notre survie en même temps que la sienne. C'est sur ces mots-là que je voudrais finir et quitter cette soirée à la règle du jeu, une revue créée par et pour les idées en Europe. Merci. Merci mes chers amis, mes chers jeunes gens, merci infiniment. Le temps est venu de nous séparer, je dois des excuses à tous ceux qui n'ont pas pu entrer et qui sont très nombreux, je crois, à nous suivre sur un écran sur le boulevard. Mes excuses à Bernard Cazeneuve et à Bernard Kouchner qui m'ont envoyé des messages mais désespérés mais qui ont dû partir sans pouvoir parler. Mes excuses à Galia Ackermann qui a été si cruciale dans l'organisation de sa soirée, de cette soirée, mais qui a dû partir aussi. Je voudrais dire, je suis heureux que nous ayons pu porter cette message, cette parole à nos amis ukrainiens. Rarement dans ma vie, j'aurais vu une querelle aussi claire. D'un côté, l'homme qui a commencé sa carrière en arracheur de couilles de Tchétchène, qui l'a continué en butant ses opposants sur les marches des chiottes du Kremlin, qui se rêve aujourd'hui en petit Néron, acceptant que l'Europe brûle pourvu que son empire survive, et qui aujourd'hui entonne un viva la muerte funèbre, et de l'autre, comme viennent de le dire mes deux jeunes camarades et la plupart de ceux qui sont intervenus, l'incarnation inattendue et presque miraculeuse de cette figure de l'Europe, de cette petite princesse qu'on croyait oubliée, perdue dans les limbes de la lâcheté et de la honte et qui ressuscite dans le bunker de Vladimir Zelensky ou dans les rues de Kiev, où encore une fois, il vient tête nue comme le jeune Churchill à Londres en 1940 qu'il est devenu. Slava Ukraini !